Coucou tout le monde, bonjour à tous les amis, c'est Joli Dreams, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit live tranquillou posé. Je sais pas ce qui se passe, mais mon jeu Pokémon ne veut pas démarrer. Donc désolé, j'en regarde pas le chat. Wrong version, download de la test version to play. Ok, il y a une mise à jour et... Ok, j'avais pas vu. En même temps, si je ne mets pas sur Twitter, comment est-ce que tu veux que je sache, moi, Jean-Michel? Oh là là. Coucou Damien, coucou Mylène. Donc je vais télécharger ça, ça me saoule. Si jamais vous voulez, vous aussi jouer... Le jeu est gratuit, hein. Je vous mets le lien dans le chat. Tu fais le live pile quand j'ai fini le marathon des 100 bébés. Ah d'accord, c'est donc toi la miss. C'est donc toi. Que j'ai vu sur Twitter. Donc, je préviens déjà, je suis un petit peu molle. J'ai beaucoup bossé. Beaucoup bossé. La chaîne. Et là, j'ai besoin de me détendre. Donc voilà, je suis un petit peu molle, ne m'en voulez pas. J'espère que ça va aller maintenant. Wrong vision, mais... Mais pourquoi tu veux pas? 15 update download. Ah ok, ok, update, c'est où? Mais si tu mets pas à jour tes liens, espèce de trou de balle. On me saoule là. Je pense à être saoulée là. Tiens, je sais pas que tu jouais à pro. J'ai commencé par... Bah écoute Damien, c'est que tu ne regardes plus... c'est que tu ne regardes pas mes vidéos. Alors Damien, il faut que je te dise. Parce qu'il y a une vidéo qui est sortie hier soir. Une rediff de live. J'ai commencé tout récemment, hein, mais une rediff de live qui a été mise en ligne hier soir. Bon. Et quoi, tu veux même me le télécharger maintenant ou c'est nada? Viens, elle va me le télécharger. Bonjour Bigwix. Allez, dépêche-toi de me télécharger ça. Je suis en vacances, j'ai pas trop le temps de suivre, pas grave. Mais justement, en vacances! En vacances! J'ai pas le temps de suivre, en vacances, quoi. En vacances. Si, vous avez plus de temps limite qu'à l'école, non? Enfin, moi, je trouve. Je vais voir le retour de ma caméra, je suis en mode... Hein? Cette gueule. Bon, quand tu veux, hein... Ah voilà. Et toi, toi. Voilà. Je me bats avec WinRar. Voilà. Ah, ça se lance. Login. Ah, voilà. Je peux enfin vous passer mon écran de jeu. Enfin! Je m'en plein écran ou pas? Coucou Damantium! Eh ben bonjour le petit couple! Bonjour le petit couple, ça fait plaisir de vous voir! Donc, que je vous montre depuis ce que j'ai capturé. Hop, je vous montre comment mon Pokédex sera plus facile. Hide and see, donc voilà. Donc, tout cela je les ai. Donc, mon tapis. Allez, le petit. Oh, cool, ça voilà, vous aviez vu en live, Ratata aussi, Pifebec aussi, Pikachu je l'ai sur moi, d'ailleurs il est niveau 11. J'ai eu Poliwag alias
petit art qui est passé niveau 10. J'ai eu Férosinge. J'ai un peu du mal parce que je suis très fatiguée en fait. Et là, ce cas, c'est que je lis les noms anglais, mais mon cerveau essaie de retrouver les noms français. Donc voilà. Ne me tenez pas rigueur si je suis un peu molle aujourd'hui. J'avais vraiment besoin de me poser, de me détendre. Je me dis pourquoi pas faire ça avec vous. Nidoran femelle, Nidoran mâle. Nidoran mâle, je ne l'ai pas capturé. Doduo, je l'ai chopé aussi. Evoli, bah, c'est un que j'ai vu. Fuinette, Fuinard, Oot-Oot et Mimigal. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on va traverser. Donc, voilà ma petite tête. Hein, la petite tête de mon petit perso. Donc, ceux qui veulent le jeu. Oups, je vous le remets dans le chat. Voilà. C'est gratuit. Mangez-en. Je vais me démuter sur. Sur Discord si des copains veulent venir me rejoindre. Et on y va. Par contre, j'avais une petite musique un peu plus posée que ça. J'ai pas envie de me. Je veux dire, je vous dis, je suis vraiment fatiguée aujourd'hui. On va mettre une petite musique. C'est bien ça? Oh oui. Une musique de Kubi. En plus, c'est le soir dans le jeu. Donc, au niveau de la santé de mes Pokémon, c'est bon. Allez, Pikachu, allons-y. Donc, on va. Normalement, je pense. Ah oui, tiens, est-ce que j'ai pas mal de choses? Backpack. J'ai quoi? Des Pokéballs, antidote. Peut-être en chercher quelques Pokéballs, peut-être. Ça pourrait être utile. Ouh là, quelqu'un qui est sur un. Assis sur un Pokémon. J'aimerais avoir un truc qui me permette de courir ou quoi, parce que c'est vrai que parfois c'est un petit peu long de marcher comme ça. Surtout qu'à mon avis, on va faire pas mal d'allers-retours entre la forêt et les centres et tout ça. Hello! Qu'est-ce que vous voulez acheter aujourd'hui? J'aimerais acheter des Pokéballs. Je viens d'acheter une. Il y avait déjà 9. 6, voilà. Ok, des potions. Voilà. Quelques-uns. Dans ce cas, c'est que vous. Je suis un peu plus loin que vous, donc c'est un qui commence aujourd'hui. Bah voilà quoi, on jouera pas dans la même zone. Ouais, mais ça, malheureusement, je peux pas faire tout non plus. Oh, il a un petit salamèche, le petit gars, là, ici. C'est trop chou. C'est un truc qui est cool, on peut aller à d'autres Pokémon et tout, c'est trop bien. Coucou, petite Clara. Coucou. Coucou, Boboon. Et merci, Hector Junior, pour ton follow. C'est très, très gentil. Je suis très posée, la Boon. Hein. Je te jure, je suis crevée, j'en peux plus. Bah oui, comment c'était défoulé tout à l'heure. Bah défoulé et puis bah. Voilà quoi. Voilà, voilà. Est-ce que je peux dire un petit truc? Dis-moi. I play Pokémon Go every day. I play Pokémon Go. Allez, tout le monde sur le chat. I play Pokémon Go. Every day. Voilà. Ok, tu peux pas courir, le seul truc en fait est d'acheter une monture avec du vrai argent. Bah Damien, en fait, je suis pote avec un gars qui joue aussi, il m'a dit qu'on pouvait avoir des montures autrement aussi, donc voilà, je verrai. Tu as mis très mal à l'aise Mylène Groot, hein, je dis ça, je dis rien. Moi? Hop. C'est à moi? Je sais pas, elle a mis 3 petits points, je ne sais pas, elle a mis 3 petits points là, je crois que... Oh... I play Pokémon Go... Je vais m'en dormir un peu pour ici, tu continues, hein. On déconne. C'est le live où il faut du café, ça, les amis. D'ailleurs, ceux qui regardent la rediff, si jamais je poste la rediff sur YouTube, ce qui n'est pas sûr, je vous invite à faire un truc en même temps. Je sais pas, si vous build dans Minecraft, voilà, écouter le live en fond, bien jouer à ce jeu-ci en fond aussi. You found the Pokéball! Ok. Donc ici j'ai quelques. Oh, il y a qu'un truc là. Bonjour monsieur. Hey there, salut toi. Salut. Peux-tu me montrer ton Budeye?
pas un budae. I'll give you some six value food. That's not a budae. C'est quoi un budae hein, en anglais? C'est quoi un budae? Budae. Budae. Je fais budae Pokémon. Non. Ah, Budu. Oh, c'est un rose bouton. Il veut que je montre un rose bouton. Je n'en ai pas. Bon. Ok, donc il y a des roses boutons par ici. Et j'aime beaucoup ce Pokémon, donc... Il faut essayer de l'avoir. Weedle. Oh, un Aspicot! Je l'ai pas encore, celui-là. Ah, merci, Tsari. Oui, c'est rose bouton. Bah voilà, Tsari vient de le marquer dans le chat. Désolée, Tsari, je n'ai pas lu ta réponse. What? Ouh! Il faut vraiment que je me fasse un café ou quelque chose comme ça parce que. Je vais aller, les gars, j'ai du café froid, j'ai envie de me chercher ça. Café froid? Elle boit du café froid? Il y a le chaud, c'est pas terrible, alors du froid, t'imagines un petit peu? Elle boit du café froid, quoi. Non mais l'aberration! Indara m'a acheté un petit café froid. Starbucks, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais là, tu reviendras, tu vas la diffusion. Qu'est-ce que t'as fait? Non, tu viens, tu... Ouais, mais j'ai pas envie de passer. Oh, qu'est-ce qu'il a fait, les sushis? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait, Bouboune, comme connerie tout le temps encore, là? Pas des clignes. Je suis affligé, je suis... Pourquoi est-ce que... T'es en grande forme. Tu reviendras à la rediffusion, c'est tout. Après ça me réveille un petit coup parce que là... A wild hoot hoot. Bienvenue à Préhydroli. Bienvenue à toi, merci pour ton follow. Ah bah il a morflé hein. You found 7 Pokédollars. Y'a pas des gens contre qui je peux me battre? Can you help please me? Oui, qu'est-ce qui se passe? A man in a black suit stole me my PJ and ran there. Please find him for me. I give you an escape rope so you can get out. I miss my PJ. Ok, donc en gros, on l'a piqué son recul et il veut qu'on le retrouve. C'est un mec qui est habillé en noir. Écoute, mec, si je le vois... Ah, merci Soxark pour le host, c'est très gentil. C'est bon, café froid, enfin glacé, c'est super. Moi j'aime bien. Bonjour Anthony. J'aimerais bien avoir un petit Aspicot, même si je compte pas plus. Rotogun. Ah, il n'est pas mort. Item. Pokéball. Si vous êtes aide, je peux t'aider. J'ai déjà fait tout ça. Bah là, en fait, ce qu'il y a, c'est que mon objectif, là, maintenant, va être de trouver un rose bouton. Parce que je pense que si j'attrape un rose bouton, le gars va me filer un truc pour pouvoir voir dans la grotte, là. Et que donc, peut-être que je pourrais retrouver le recul de ce gars. C'est ce que je me dis. Donc voilà. Pour les petits bruits de... C'est pas une vidéo crème, mais montrer ça. On va éviter de parler de ça en live.
C'est bon, ça fait plaisir ce petit café. Bon. Spinarak. Oui, tu sais, donc tu penses quoi de mon fait, de mon idée de faire ça? De essayer de capturer un rose bouton pour le montrer au mec. Qu'en penses-tu, dis-moi? Ah fuck! Zut, il a empoisonné mon Pikachu. Mon Pikachu est empoisonné. Won the battle, ouais, bah oui. Des hautes herbes. La Bay Mary. A berry, continue back in manner, remove all land, restore 10 pp, ouais. Bay Pesha. A berry to consume Pokémon, if Pokémon hold one, you can recover poisoning item. Ok, donc il ne sera plus empoisonné. Voilà, Pikachu, normalement tu n'es plus empoisonné. La chérie berry. Paralysie, chérie. Ok. Ok. Voilà. Coucou le Pokéfan. Alors tu veux pas, je te spoil. Oh, alors si tu veux pas que je te spoil des. Je dis rien. Ah, mais je veux dire par là, est-ce que c'est la bonne idée de faire faire le plan que j'ai? Est-ce que le plan que j'ai est viable? C'est ma question en fait, Utsari. Un truc que je vais faire, de toute façon, en fait, je vais. Un truc que je vais. Qu'il faut que je fasse. Ouais. Un truc qui veut pas se faire, tant pis. Bienvenue à Nadja! Bienvenue Nadja. Merci pour ton follow. Ah mais non! Ok, tac. Je pense que tu vas galérer avec les grottes. Et après, il est assez rare, mais il va pas te donner quelque chose, ou du moins, je pense pas. Ok, d'accord. Ok. Ici, maintenant, je crois qu'on peut voir ce... Et donc, ici, il y a tout ce côté qui fait que ça nous montre ceux qu'on a déjà attrapés, ceux qu'on n'a pas encore attrapés. Je sais pas pourquoi est-ce qu'il me compte le truc que je ne l'ai pas attrapé alors que je l'ai attrapé. Ah ouais, il fait le temps qu'il me mette à jour. Et il a pas mis. Pas mis que je l'ai. Bah écoutez, donc je vais juste avancer alors comme ça, alors peut-être. J'aime me battre contre un mec moi. Mais quelqu'un. Pas un joueur. Y a pas des PNJ contre qui je peux me fight. Bug Catcherick. Ah voilà. Eh, hey, tu as un peu tu as you have Pokémon. Viens. On va se battre. OK. On va essayer. On va essayer. Après il est assez donc OK, d'accord. Je lis les messages, tout va bien. Et Boubou, moi ça va pas. Je lis les messages dans le chat, tout va bien. Ah oui, donc j'en profite aussi que je suis en live avec vous là maintenant pour vous en parler et qu'il y a quand même pas mal de sushis qui sont habitués des lives ici. Donc comme vous saviez, je faisais tous les mercredis soirs les lives à 20h. À partir de septembre, mon horaire va changer au niveau des lives parce qu'en fait, ben, je vais changer mes horaires. Enfin, il est possible que mon horaire change au niveau des lives. Parce que ce cas, c'est qu'en fait, donc, j'ai mon heure de travail qui va être modifiée. Avant, pour tout vous dire, au boulot, je travaillais lundi, mercredi, samedi. Les autres jours étaient faits pour les jours en dehors de mes jours de travail, bah c'était pour les vidéos, pour les lives et tout. Et ce cas c'est qu'en fait, quand je fais un live le soir, j'aime bien le fait de ne pas avoir à travailler le lendemain, de ne pas devoir avoir un horaire de lever à respecter. Et le truc qu'il y a, c'est que bah, avant, bah, le mercredi, bah, je travaillais. Donc je faisais le live le mercredi soir. Et donc jeudi, bah, je pouvais me lever à l'heure que je voulais. Et enfin voilà, j'avais pas... Au cas où le live terminerait plus tard, enfin voilà. Et le truc qu'il y a, bah, c'est que maintenant, bah, ça va changer. Je vais travailler le lundi, le jeudi et le samedi. Et le truc qu'il y a, c'est que ça va être un petit peu compliqué pour live le jeudi, enfin le mercredi soir, être confortable. Enfin, c'est juste pour mon confort, hein, je l'avoue.
Je pourrais très bien le faire, mais c'est juste pour mon confort. Je pense que ça va changer. Donc, soit peut-être que je liverai le lundi soir ou le mardi soir. Voilà, c'est encore une réflexion, rien n'est sûr. Coucou les Russes, donc voilà, j'y pense. Maintenant, voilà, vous voyez plus ou moins quel rythme je live aussi. Il y aura peut-être des lives qui se feront l'après-midi. Peut-être qu'au lieu du mercredi soir, bah, je ferai mercredi après-midi. Mais voilà quoi, c'est... Voilà, ça dépendra de beaucoup de choses. Voilà, je verrai à ce moment-là. Double campeur ici. Hop, hé hé. Ah, il y a 3 Pokémon. Donc ça que d'ailleurs j'ai supprimé l'horaire du... Pour le moment en fait, ce qu'il y a, c'est qu'en plus pour le moment je fais des heures supplémentaires à cause du fait qu'il y a des filles à mon taf qui sont en congé. Donc ouais, j'ai des heures sup à faire. Là je travaille cette semaine-ci, j'ai travaillé lundi, hier. Et donc je travaille vendredi et samedi. Donc j'ai congé aujourd'hui et demain. Donc j'ai aujourd'hui et demain pour bosser sur les vidéos. Et voilà. Et donc là je me fais une petite pause. Parce que j'en ai besoin. Pause live, tranquille. Vous êtes tout calme aujourd'hui, dites donc les amis, ça me fait bizarre là de voir le chat si calme. En fait, tout le monde est endormi en fait. Ouais, c'est ça. Tout le monde est endormi, c'est la petite sieste là, c'est l'heure de la sieste. Ouh là 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 là, mon roucoul est empoisonné. Ah, la grotte. Ah, je déteste les grottes, moi, Utsari. Je n'aime vraiment pas les grottes dans Pokémon. J'ai toujours détesté ça. Poids inimaginable. Mais vraiment. Et puis quand tu gagnes un petit peu de poids d'expérience, je vais peut-être procéder de saigner en cool. Donc. Donc c'est laquelle? C'est la Pêcha. Voilà, Pêcha. Voilà. Ça va déjà mieux pour le petit là ici. J'ai le fait d'en avoir acheté. Et si on a... On a... Ah, l'antidote, super. Oh, c'est mignon. Ouh, je me fais agresser. Je me fais agresser sur les bois. Hey l'enfant. Je veux voir tes Pokémon. Ils viennent pas de Kanto. Ils ne sont pas de Kanto. Donc genre, je crois que c'est ça. Boom Wurmple. Je crois que c'est Shunipot son nom en français, je pense. C'est encore plus détesté, étant donné que la difficulté du jeu est hardcore. Oui, je sais, on me l'a dit. En fait, j'ai commencé à jouer Damien avec un gars qui s'y connaît bien, en fait, avec Flo. Flo s'y connaît vachement bien, et je crois qu'il a bien avancé dans le jeu à une époque. Là, il a recommencé. Ah, Pikachu was poison! Oh non! Non! Pikachu! Et oh, moi, il faut que je mette ma casquette de ma casquette de dresseur. Et oh. Moi je dis qu'il est avec Pokémon, je dis casquette de dresseur, au moins ça. Et. Ah oui. Un jour je serai le meilleur dresseur. Le dresseur et puis. Ça rend bien. Regardons ma gueule, ça rend bien. Ça va. Mais vous me saoulez là, empoisonner tous mes Pokémon là. Voilà, Pikachu n'est plus empoisonné. Ha, t'as eu peur hein. Qu'est-ce que tu vas me donner? Caterpie, donc ouais, Shunipan. Ouais, Usdari.
Je sais pas pourquoi est-ce qu'il est ça, je crois que c'est pour te taquiner, tu sais, c'est flou, faut pas te retourner. Bienvenue à Edgy and Austin, bienvenue à toi. Mais le fait, tiens, j'oubliais, j'ai oublié, mais le fait. Voilà. Quelqu'un m'a dit en commentaire que Pikachu était l'ennemi de Mélofée. Parce que là-bas, ça devait être Mélofée à la place de Pikachu dans... comme pote de Sacha, et c'est vrai, en plus ça je le savais. Ouais. Et que donc du coup, bah il y avait Josie qui s'était mise, mais non, ils s'entendront bien. Pas tomber Mélofée, hein, ne tombe pas. Oh, Itzari, coucou Itzari. Coucou copine. Oh, elle a un petit rose bouton. Oh, il est trop chou. Oh, oh, petite chose. Il est trop mignon. Il est trop pipou. Non, mais c'est pas toi que je regarde, c'est ton rose bouton. Hein. Bienvenue à 40. Bienvenue à toi. Mais t'es mignonne aussi, hein, mais ton rose bouton est très mignon aussi. Un combat. Non, 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 tu vas me battre. Tu vas me battre. J'en vois pas l'intérêt, tu vas me battre. Y'a pas de. Si on avait plus ou moins le même niveau, je te dirais ok, mais là, y a même pas de sport, tu vas me battre. Fairy Tree. Bon, faut que j'entraîne mes bestioles avant. Hop. Un jour je serai bien entendu, je m'attends dans répit, je vais tout prendre la guerre. Ok. Ok, y'a Mylène qui nous écrit la chanson dans le chat. Si tu veux Mylène, je t'en prie. À ton aise, ma biche. Le fait, tu restes bien là. Hein. Tu es sage, d'accord? Tu es sage. Ah non, il veut pas être sage. Tu restes là quand même. Hop. Hé hé. Perso, j'ai objectif Mélofée. Alors, moi, je veux Mélofée. Je le veux. Mélofée, c'est un des Pokémon de ma vie. Avec Pikachu, avec Lugia aussi, que j'adore Lugia. Ouais, il est niveau 11. Oh, cool. Oh, j'ai perdu. Ah oui, que t'as perdu. Normal que t'as perdu. Tu es face à moi et mon skill non légendaire. Pumper Christina. On est contre Christina, ma chérie. Contre Christina. Je sais pas qui va être empoisonné. Bah voilà, hein, parce que sinon, c'est pas drôle, hein. Voilà, voilà! Ça s'est réglé, j'ai envie de dire, hein. Ok, donc. Attendez, je sais déjà plus la bonne truc que c'est, faut déjà que je relise chaque fois. J'ai bu un café, c'est pas encore ça les amis, hein, je vous le dis déjà. Alors Boone ce matin m'a entendu. Hein Boone, j'avais une magnifique voix ce matin. Mmh. Quand je me suis réveillée, j'avais une magnifique voix ce matin. Ouais. Boone en fait, il a eu droit à ma voix au réveil ce matin. J'étais en mode... On aurait dit un vieux zombie dégueulasse. On aurait dit que c'était cool. Bienvenue Lina. Bienvenue Lina, Lina94 Marocco, merci pour ton follow. On en dit quoi? Je disais qu'on aurait dit que tu t'es complètement bourré. Ah oui, complètement. Mais pas du tout. Mais on aurait dit vraiment. Oh oh. A couple shady looking character standing outside Pokémon Center. I better be careful. I better be careful. Ok.
Qu'est-ce qui se passe? Je suis où, moi, ici? What I favorite yellow mouse. D'accord, ok. Eh, Team Rocket! Ah mais oui! Oh, il y a Jessie et Jeb sur le côté, c'est trop bien! Mia aussi, il est là. Bon. Tenez un petit coup. Un truc que je vais peut-être à faire, c'est entraîner mes Pokémon, donc lui, pour qu'il puisse aller à Spico, pour qu'il puisse évoluer en dernier. Me tâte à faire ça. Mais bon. Tu parles de quoi, toi? Psychic machin. Ah, il y a ma ability de check power. Ok, d'accord. Okay, qu'est-ce que tu dis? Psychic. Ok, d'accord. Ok, on a des pouvoirs cachés. Ah, la randonnée. Ah, mais Utsari, mais la meuf, mais... Oh, Utsari, je te parle plus. Tu te la pètes trop, là, avec tes Pokémon, là. Tout mignon, là. Là, avec les Systemic Fortune... Lens... Seismic Toss... Non. Le taquine à Utsari, hein. T'inquiète pas. Ah, tu me connais, je suppose, maintenant. Hein. Ok. Je vais passer mon temps à traduire tous les gars. C'est vraiment important, je prendrais laisser la peine, mais là... Je lis dans ma tête, je traduis dans ma tête. Et... Ah mince, il y a peut-être des choses dans les poubelles, peut-être. Je sais pas si c'est des choses dans les poubelles. Je vais interagir avec. Ah mais la meuf avec son Onyx. Quelle grosse bête. Bon, je peux continuer d'explorer la ville. Ok, là il y a le truc. Oh là. Mettre hop mon petit truc là, mon petit Poliwag au-dessus. Poliwag. Titar. J'espère que le mec est là. Ah ouais, là. Arrête ici, l'enfant. Ok. Ok, ben, on va se battre. Oh, on sait pas le niveau. Pourquoi je passe en niveau? Pourquoi je passe en niveau? Yeah, it's super effective. Ok. Adieu. Yeah. Oh, il est niveau 11, son petit chou. Hop. Prends ça, mon chou. Recruiter. Hop. Water gun. Oh, Bubble, c'est pas celui que je pense. Elle est giga bien cette attaque là. It's super effective, ok, donc c'est super efficace. Oh ! Ah mais j'étais défoncée là, le truc m'a défoncé ma race. Il m'a appris à vivre. Hein. Ouh. Le chat il bug ou vous êtes juste super calme les gars? Non non, je suis super calme, c'est tout. En fait ils sont tous sur le jeu, ils parlent pas. Ah. Comme moi ce matin, tu vas me dire. C'est comme mon chat a fait à l'instant, ce que vient de se réveiller, elle arrive à mieux le genre. À mieux le mot, un peu comme la voix que t'avais, j'ai pas réussi à imiter les étapes. Voilà. Alors, Pikachu contre un Pokémon de type sol, là.
Comment vous dire que j'y crois moyen? Je crois que rollout c'est roulade. En anglais, je pense que ça fait penser à ça. Oh ! Ah, il m'a défoncé ma race ! Ça c'est fait ! On parle qu'avec Rose Bouton, j'ai soloté Pierre. Ouais, quand même, c'est pas mal. On est calme. On suit. Enfin, moi, je joue à Phoenix Wright. Ok. Ouh, le coup critique qui fait mal. Ouais, complètement. Complètement. Mais écoutez, c'est pas grave. C'est complètement pas grave. Bah, écoutez, je vais un petit peu entraîner mon petit art ici. Un petit peu aussi ce qu'il y a ici, ce que je peux attraper. Wild Metapod. Je vais peut-être essayer de... Oula. Par contre, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que les Pokémon de l'adversaire était, on ne voyait pas le niveau. Il y avait des points d'interrogation à la place du niveau. C'était vraiment très bizarre. T'as pas envie de te mettre à ce jeu-là, toi, Bouboune? Pas trop. Pourquoi? Il est sympa pour toi. Ouais, Pokémon, c'est pas mon truc. Oh. Quand j'étais jeune, mais là, ça m'attire pas plus que ça. Quand j'étais jeune, genre t'es vieux, quoi. Bah, quand j'étais gosse, quoi. Enfin, c'était les premières versions. Ouais. La version 1, la génération 1, génération 2, mais après, voilà. Je suis passé à autre chose. Par contre, j'ai pas l'impression que ce sera ici que je vais. Je pense que les CDRM ne va pas leur niveau, d'où les. Ok. Un truc que je me demande, est-ce que la difficulté n'est pas modulable suivant qui ils affrontent? Je me demande juste ça. Désolé les gars, je prends pas de sushi en ami. Désolé. Si j'en prends un abonné, j'en prends tout le monde et c'est juste pas possible. Il y en a juste quelques-uns, un ou deux que j'ai accepté parce que c'est des personnes que je connais de mon Discord. Et qui sont, enfin, que je connais aussi, que j'ai vu plusieurs fois en convention, mais voilà quoi. Oui, c'est ça, mais tu peux voir sur internet. Ok, d'accord. Et ton rose bouton, tu l'as eu où, Utsari? Parce que si c'est dans la forêt de Jade, moi je vais faire une petite séance de recherche de rose bouton dans la forêt. Hein. Dans la forêt, mais je l'avais. J'avais level 3 Mega Sensei jusqu'au level 1. C'est quoi ça ce que tu me dis là? Ça va être un terme bien compliqué. Oh, un petit Dodrio. Ah, Dodrio, moi, Tripiqueur, lol.
Ouais, en tout cas, je me demande, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des petits trucs en mode. Sleepy sur les arbres. Ouais, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un Pokémon feu. Un Pokémon. Plante et Mélophée. J'aimerais bien avoir encore deux comme ça. Non, j'étais trop vite, non, merci. Bon, bonjour Baka. La fin de Baka. Un petit temps que je t'avais pas vu Baka, ça fait plaisir. Y'a Ponyta. Ouais, mais tu le trouves où Ponyta? Dans la zone ici, tu le trouves où? Bon, je vais retourner dans la forêt pour Rose Bouton et entrer en même temps Petit Art. Je suis partie à la chasse au Mélophée. Alors je te préviens, si tu te ramènes avec un Mélophée près de moi, je te bonne du truc. Non, fille qui pète un câble. Non, ça va me faire chier un petit peu, j'avoue, je vais être genre. Je vais être salty, hein, je te le dis déjà. Ah, t'as le rhume, Baka. Oh. Mais il y a plein de gens qui se chauffent des trucs. Moi, c'était quand mardi matin, j'ai commencé à avoir mal à la gorge quand j'avalais. Mais je sais pas vous expliquer. Enfin, c'était vraiment... Enfin, mal de gorge, quoi. Un peu comme un début d'angine. Merci pour ton follow. Bienvenue à Quazaz Dabida. Bienvenue. Juste de finir la rediff du premier live de Pro sur Pro et là je vois un live la chance. Mais écoute Baka, je suis très fatiguée et en fait ce qu'il y a c'est que ce jeu en fait certes a son niveau de difficulté mais n'est pas ne demande pas beaucoup de skill en tant que tel. Ça demande plus de la réflexion sur les choses à faire mais pas enfin voilà, je trouve que c'est un jeu qui se met bien quand t'as un coup de pompe en fait. Donc voilà. Et j'avais vraiment peut-être un petit live me poser après après tout ce travail. En gros, pour tout vous dire, j'en parlais avec Léo tout à l'heure. Hier, je me suis levée à 7h pour aller bosser. J'ai fait l'ouverture au magasin où je travaille, donc 9h30. J'ai bossé jusqu'à 5h30. Puis après, je suis rentrée, j'ai mangé un bout. Puis après, après manger, j'ai bossé pour les vidéos qu'on a tourné et puis après, faire le montage et je me suis battue avec du replay mode jusqu'à presque 3h du matin. Donc voilà, je suis un petit peu... Voilà, je vais juste finir, ok. Mais le fait, il doit y en avoir après Argenta. Voilà. C'est qu'il y en a ici. Donc avant il y en avait 3, alors il doit avoir le rose bouton. Rose bouton. Oh, encore un mimigal. Ouais, la journée bien crevante, comme tu dis. Complètement. Et là, j'ai fini de monter la vidéo pour samedi, donc le LP Vanny. Là, il est en cours de rendu. Il sera assez court. Et donc, voilà. Ce matin, j'ai tourné pour lundi prochain Amazia la suite, déjà. Et... du Sintro. D'ailleurs, c'était trop cool, la Bouboune. C'est bien marré. Boon? Ah ok, il n'entend pas, ok, c'est tiré, il me laisse un vent là en live, merci hein, Bouboune, hein, sans du respect, bonjour, hein, merci. Je le sentais venir,
Et on voit ce bâtard. Je le sens devenir. Oh, excusez-moi. Ouais, il est niveau 12. Bon, je vais tout doucement avancer vers le truc. Dès que je peux. Et bienvenue à Espectrum, merci pour ton follow, je te dis la bienvenue, j'espère que tu t'amuseras bien parmi nous. Tu m'étonnes qu'il souffre du poison. Voilà, critical hit, ok. Tout le monde est bien posé là. Ils sont bien... Est-ce que je suis la seule à être crevée là? Bah Dieu, j'étais déco, c'est nul. Ah! Des choses qui arrivent, ça, Mylène. Un petit rose bouton qui se balade par là. Moi je veux, hein, je prends. Moi aussi je suis fatiguée, d'accord. Oh coucou Baka, mais tu sais que ça fait quelques minutes qu'il est là. Hein. Ça fait quelques minutes. Critical hit. Ok. Fuyez-moi. Ah! Rose bouton! Yes! Bidou fall asleep. C'est un truc qui m'ennuie un petit peu. Ok, peut-être moyen. Je vais tenter cette attaque. It's not very effective. Ok, c'est très bien. Je suis à fond sur ma recherche. Écoute, moi je suis à fond sur rose bouton là. On va tester bubble truc. Donc je sais que l'eau c'est pas tip top sur un rose bouton. Hein, je le sais, vous inquiétez pas, sur un Pokémon Plant, je le sais. Justement, c'est parce que j'ai peur en fait si je prends notre Pokémon de lui faire vraiment trop de dégâts, donc du coup, bah voilà. Ah oui, mais il est en train de me baiser en fait. Oui, il est trop mignon ce bouton. Bon, fight. Quick attack. On va essayer un truc. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le meilleur truc du monde. Yosh! Yosh! You coach, Bidou. J'ai Bidou! J'ai rose bouton, les amis! J'ai rose et bouton! Contente. Puis Roserade est trop classe. Ouais, j'avoue que Rose. Par contre, ce qui fait marrer, c'est que je trouve que Roserade a une apparence vachement féminine pour un. Enfin, là maintenant, là, mon rose bouton est un petit garçon.
Ça fait toujours bien d'avoir un Pokémon qui a une apparence plus typée. Enfin. Voilà, je sais pas. T'as rose bouton, j'ai rose bouton, t'as mélofé. Ah, je t'envie. Je t'envie, ma petite Sari. Je te préviens, si tu viens crâner près de moi avec ton mélofé, je vais t'appeler Usdaria. Je te préviens, elle est là. Donc si après moi, tu laisses bien ton mélofé dans ta poche. Hein. Mais si, là, je vais entraîner mon petit rose bouton. Hop. Allez, rose bouton, nous allons t'entraîner. Que tu deviennes fort. Fight. Je vais me faire ban. Non, sans risque, mon Pokémon le plus faible est level 2 de plus que, à 2 niveaux de plus que lui. Ah, mais ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. Moi, Rose Bouton est niveau 7 et j'attrapais avec Pikachu qui est niveau 11. Hein. Ça veut rien dire du tout. Yay, yeah, bah écoute, GG à toi. GG à toi, Itzari. Très contente. Non, si tu me le montres en vrai, je serais en mode. Oh, c'est trop mignon! Je ferai une Gaïa bouille. Je ferai une Gaïa bouille. You won the battle! J'ai gagné le combat. Allez, Rose Bouton! Grandis, mon petit Rose Bouton! Oui, j'aimerais bien pouvoir renommer bêtement, même ne serait-ce que mettre des petits prénoms en fait. Des petits surnoms. Ah ouais, laisse tomber là, contre un... Ah ouais, non, là, ça craint, là. Ouais, on va faire ça, on va utiliser notre petit Roucool. Ok, d'accord, donc mais le fait pop uniquement la nuit et le matin dans le monde. Ok, d'accord. Merci, Ami, bienvenue à toi, merci pour ton follow. Damien, moi je dois venir me la péter avec mes Pokémon. Oh mais genre le mec. J'essaierai de faire une guilde quand je sais pas du tout comment est-ce qu'on peut créer ça. À mon avis, je pense qu'il faut peut-être déjà avoir un certain niveau dans le jeu. Je suis considéré comme un joueur de niveau Total Pokémon 14. Tous les badges. Oh! C'est ouf. Ah, oh, Dardarnian! Ah, oh, c'est trop bien! Oh, je vais essayer de l'attraper. D'accord, je dois réaffronter des dresseurs level 5. C'est légèrement chiant. Ah. Rose Bouton évolue avec le bonheur. Oui, j'ai fait des recherches d'investigation. Ok.
Bah je sais qu'il y a une mise à jour, donc c'est peut-être ça, Damien. Ah, je vais l'attraper, moi. Je le veux. Ok. Ok. Bah non, écoute, je me le prendrai moi, t'inquiète pas. Merci beaucoup, Harry. La proposition est très très gentille, mais je me le prendrai. Je dis on peut jouer ce jeu, je ne pense pas, je pense pas que by Quix. Bon, on va sûrement mourir, c'est vrai que j'ai un petit peu peur. Voilà, bah ouais. Crotte, pas ce que je voulais faire. Je crois que je fais escape pour reformer un truc, mais en fait ça me propose de t'attirer dans le jeu, peut-être pas, non. Coucou, tu as mes Pokémon? Bah écoute Damien, pourquoi pas? Tu vois où je suis, t'as envie de me rejoindre pour les montrer, mais pas se battre, hein. Tu mets derrière toi pour que je puisse les voir. Hein. Moi, je me bats pas contre vous, moi. Encore toute petite. Regardez, Rose Bouton, il est tout petit, là. Il est, on dirait, une couille. Tellement il est petit. Ok, il y a un sort qui dit ça en anglais, ok. Mais les choses qui arrivent, hein, mon petit Damien. Ouf, mon grand Damien, devrais-je dire. Qu'est-ce que j'ai, moi, mais ça... Ah, je suis pas réveillée. Ouf, dès qu'il tombe. Je suis pas réveillée du tout. J'aimerais au moins essayer de faire évoluer Rose Bouton au moins au niveau 10. Tu fais des rencontres, oui. J'adore ce jeu. Je tente de le DL. Bah écoute, il est... Je sais pas si t'as vu le lien que j'ai mis plus tôt. Attends, je vais te le refiler, le lien. En plus, il est très souvent mis à jour. Voilà, hop, pour ceux qui veulent rejoindre. C'est gratis! Pas d'extraire les fichiers, bah écoute, on se doute bien Damien que... Voilà, il faut WinRar pour le choper. On se doute bien. Je suis vraiment liquidée, moi, je devrais plus dormir comme ça. Bah si, dormir, oui, je devrais peut-être plus rester éveillée aussi longtemps. Bonjour, Xuxuxox. Ah mince, il a empoisonné! Je t'en demandais pas tant.
En même temps, c'est vrai que maintenant, au niveau de WinRAR, les gars, c'est tellement... Enfin, c'est... WinRAR, maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent. Je connais pas... Enfin... Les gars, je crois que je vais faire une mini pause pour juste aller me faire un café, si vous voulez bien. Parce que là, je sens que... Pouh, je suis vraiment crevée. Je vais faire une petite pause juste maintenant pour faire un petit café. Merci pour ton follow, Sirina Angela. Bienvenue à toi. J'arrive tout de suite, je vous laisse sur la charmante compagnie de Mélophée. Tout de suite. Je sais, mais le fait s'est cassé la gueule. Mais il est en dessous du bureau et j'avais la grosse flemme de me pencher pour le ramasser.
Gueulez pas. Prêt pour faire la paix. Non, mais le fait. Coucou, mais le fait. Que ton ami de café dont je prends. Qu'est-ce que. Vous avez écrit plein de conneries en fait pendant que je n'étais pas là. Coucou, mais le fait. LOL me tue. Et là, il y a Yoni qui vient se mettre sur le siège. Ça, le pire, c'est que ça pourrait tellement arriver. En fait, j'ai un filtre anti-pop. Je vais vous le montrer. Vous voyez ? Il est abîmé parce qu'Oni, parfois, il vient se frotter, en fait, contre. Faudrait que j'en rachète un. Ce n'est que de revoir, mais le fait, je vous assiste à un drame. La tristesse dont je dis qu'il faut passer le dialogue. Ça ne tue peut-il avoir d'espace. D'accord, ok, Tsari. Préformer mais le fait. Tuer les mecs, je vais faire une photo de vos conneries là. Oh putain. Ah merde, j'ai mon appareil qui fait le con. Elle a non, je l'ai pas abandonné. Bon, c'est sûr, c'est pas agréable de se casser la gueule comme il vient de le faire, mais bon. Regardez, il est toujours en vie. Il a... Il reste plus qu'une dent seulement, tu vois. Il est cool. Il fera les conventions avec ma mais le fait. Faut appeler Brigitte Bardot. N'importe quoi, vous êtes con. Je vous adore. Oh là là. Qu'est-ce que je ferais sans vous. D'ailleurs, aussi, bah. Hop. Je me unmute sur Discord parce que j'avais muté le Discord comme Boumou s'était tiré. Pour vous, au moins vous laisser la musique du temps que j'ai fait mon petit café. Je ne bois jamais des cafés, mais là je suis claquée. J'espère que j'ai dormi un peu plus tôt aujourd'hui. Ah effectivement ça fonctionne Utsari. Mais le fait quand soudain Natsu sauvage apparaît dans le. Ah, coucou Natsu! Tu vas bien? Je suis me fait encore quoi avec une. Et surtout si elle retombe. Mais non, mais le fait va pas retomber! Ah, mais le fait va pas retomber! Bien là! Ouais, j'en suis de marbre! Tu peux venir, hein, Natsu, si tu veux, je suis sur mon Discord, tu sais bien, t'es le bienvenu. Hein. Enfin, t'as pas besoin de me demander. C'est un petit live Pokémon tranquillou posé. Où j'entraîne mon petit rose bouton et où tout le monde a assisté à un assassinat sans faire. Voilà. Un petit assassinat là, comme ça, au calme. Meurtre par accident. Hé hey, Nathan, coucou chouchou! L'autre là, il est à Paris là. Ils sont malins là! Tiens, j'ai rejoint le petit Discord. Ah ouais, Baka? Il faut que tu mettes. Faut que tu m'envoies un MP avec tous les jeux auxquels tu joues. Et que tu lises bien l'accueil et tout. Je regarde, mais je ne te vois pas. Ah oui, je vois, ouais, je pense que c'est. Ok, je pense que c'est Yon à mon avis. Ok. Ah, tu fais moi le malin maintenant, hein. Comme tu veux, comme tu veux. Comme tu veux, Baka, y a pas de problème. Et bienvenue à Quentin Ruby. Bienvenue à toi, Quentin. Ah oui, Quentin Ruby. Quentin Ruby. Je sais pas si je dis bien ton pseudo. J'ai tenté de dire Quentin Ruby, moi, en tout cas. Bienvenue à toi. C'est vrai que j'ai mis Pokémon en émeraude en dessous que je joue à ça, mais y a pas ce jeu n'est pas un jeu officiel, donc voilà. Mais le fait est tombé de sommeil.
pense que t'es pas lourd. Bienvenue à Lovely Me. Bienvenue à toi, Lovely Me. Oups. Donc, pas mais le fait, s'il te plaît. Je surveille la porte, voir si papa va rentrer. Oups. Voilà. Ah il va... Non, il va se casser la figure. Comment est-ce que je pourrais te fixer sans que tu te pètes la margoulette, le mélofé? Te coincer avec la couverture. Non ! Voilà. Tiens, tombe pas. On voulait de la ASMR, ok, d'accord. Et coucou, est-ce que tu vas attraper un mélofé dans le jeu? Ouais, j'aimerais bien. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense pas. Là, je suis en train d'entraîner mon rose bouton et mes autres Pokémon en fait à. Pour battre la reine au-dessus. Oh, il y a Jack qui est déjà empoisonné. Avec de la colle mou. Ah, mais non, je vais pas coller mes lefets sur ma chaise. Ouais, je pourrais plus le prendre avec moi en convention. Ça, je me le fais, c'est la mascotte. Hein. Mais le fait doit venir avec moi en convention. Il doit venir signer des autographes avec moi. Non, mais le fait viendra avec moi, la Mia. Ah, mais le fait. Avec moi, la Mia. Oui. J'essaierai de faire un petit. Je demanderai à ma marraine de me coudre un truc, tiens. De me coudre un genre, vous voyez, comme les portes bébés. Mais pour mettre mes lofés dedans. Oh! A wild Kakuna! Ma mère, quand j'étais petite, elle disait toujours que Kakuna, enfin, elle remplaçait le mot caca par Kakuna. Voilà. Ça fait un caca sauvage qui apparaît. C'est fabuleux! Bienvenue sur ce live! À la mienne, je veux une photo avec mes lofés. Bah écoute, Nathan, voilà. Mélofé, survivant de nombreuses chutes. Tu as même une dédicace de Mélofé. J'essaierai de lui faire une petite dédicace. Enfin, ça sera moi qui signerai, mais... Savourer la dédicace de Mélofé. Je sais déjà comment je vais faire. Ça sera un petit cœur avec des petites piques au lieu de petits ronds. T'es surprise, je dis, elle fait de l'ASMR la prochaine. Moi, je veux un Mélofé, d'accord. Cette classe. Vous aurez une dédicace d'un Pokémon, comme ça c'est pas génial. Pas de soucis Damien. Bienvenue à MLG Septil 360 Scope. Bienvenue à toi. Tu as un pseudo bien compliqué. Bienvenue à toi. Oh mais non, j'en ai marre que l'autre là il se retrouve chaque fois empoisonné là. Le truc m'est bien relou. Ah je crois que je commence à me réveiller. Bisous, pray for Mélofé. Oh là là. Allez, bisous Damien, prends soin de toi Damien. Caterpie, ouais. Oh c'est vrai, j'ai tellement envie de vous spoiler les trucs de samedi. Samedi, il y a une mini surprise. On n'a pas dit qu'ils attendent une mini, toute mini. Hein. Mais petit clin d'œil à quelqu'un. Mais je vais pas en dire parce que sinon je vais juste vous spoiler. Maman, si vous avez vu les trucs, et peut-être que vous pouvez même deviner ce que c'est comme surprise. Thunder Choc. Ah, j'ai bu tout mon café. J'espère que ça va me réveiller. Que je vais plus trop bailler.
Bon, j'aimerais quand même bien que mon petit truc là, il... j'aimerais bien que mon petit truc grandisse sans vouloir faire des mauvais jetements. Je ne dirai rien Natsu. Mais possible. Très possible. C'est même un peu plus qu'un clin d'œil en fait. Mais je ne dirai rien. Vous verrez samedi. C'est dans les premières secondes de l'épisode qui sortira donc. Comme un con, je me suis endormie sur mon lit devant la télé pendant genre une heure. Et maintenant je suis fatiguée. Youpi. Ah mais ça, ça la petite sieste. C'est bien quand t'étais enfant la sieste. Enfin maintenant c'est toujours du mal une sieste mais... Moi ça me casse généralement une sieste. Pour Roi Louis. Peut-être, peut-être. Très possible aussi. Enfin c'est un clin d'œil à quelqu'un en tout cas. Donc je vais pas vous balancer qui parce que sinon je... pas drôle. Mais ceux qui ont vu les épisodes, les derniers épisodes qui sont sortis de... Dans l'avant-dernier qui est sorti, normalement, vous devriez pouvoir savoir. Ça me rappelle le YouTuber Aurélien. Donc, j'en ai parlé en plus de ça Aurélien, mais il a pas regardé les vidéos. Il a pas... En même temps, il a plus autre chose à faire que de regarder des rediffs de live. Enfin, voilà, quoi. Il est quand même souvent occupé. Donc voilà, généralement, le peu de temps que je parle avec Aurélien, c'est après ses lives, en fait. Donc voilà. Mais j'en ai pas dans Use the World. J'aimerais peut-être essayer de faire un petit. Un petit best-of des Use the World, mais qui serait juste pour les. Allez. Pour les sponsors, mais pour les subs, parce qu'en fait, ça serait sur une autre chaîne. Enfin voilà, ça serait compliqué. Parce qu'il y a des droits d'auteur dans les musiques, il va falloir que je fasse un truc. Et puis, c'est quand même. Assez gratiné comme langage dedans et je trouve que c'est un tout petit peu trop pour être mis sur ma chaîne. Ça part vraiment en sucette. Voilà. C'est vrai que c'était marrant. Mais j'ai dit Auré. C'était ah, d'accord. Pam pam pam. J'ai l'impression qu'il grandit pas ce rose bouton. Tu grandis pas rose bouton. Ah oui, next till next 166, ok. Ouais mais j'ai encore le temps moi avant que tu gagnes des points On va essayer avec Metapod. Il fait pas, il sait pas faire grand chose aussi. Absorbe, je vais t'absorber. Pam pam pam. Ah, le wifi du Quick bug. Ah. Bah, moi je veux dire que c'est vrai que les wifi de magasins, comme enfin les de fast-food, j'arrive jamais à me connecter proprement dessus. Si je veux gagner une vidéo, c'est mort, donc voilà. Pauvre vrai. Ouais, faut dire que t'as mis grave sur Auré là aussi, Natsu, hein, entre nous, hein. Genre, oh, ouais, c'est prêt, ouais, t'habitues, hein. J'ai des preuves. Mais de toute façon, je vais essayer de faire chier Aurélien pour qu'il vienne en faire avec nous de Use the World, ça pourrait être trop drôle. Pour faire ressortir le coquinou qui est en lui. Non, 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 non. Ah merde, il y a le mec. Ah merde. Ok, il y avait un mec derrière, d'accord, ok. Le mec derrière, il veut pas... D'accord, il était pas là pour rigoler. Ok, d'accord, bah écoutez, on se bat trop contre lui, hein. Allez, go, Poliwag. Je suis sur le serveur blue, machin. Ksuksu. Sur le blue, voilà. Poliwag attaque. Charmander with...
Water Gun. Et c'est super efficace! Ah, Papillusion! Mon dieu, Papillusion! Hop! Je t'en prie, Xoxu! C'est bien normal! Oh non! PJ, you're my poison! Oh non! PJ! PJ! What do you do? Bon, Pikachu, allez, vas-y Pikachu. Avec celui de la face. Refais une facieuse à ce petit con là. Allez hop, Thunder Chuck. Claire. Fonctionne pas trop mal. Avec confusion. Ah non! Ah, j'aime tellement pas les attaques comme ça. Meurs! Meurs! C'est un coup critique! C'est super efficace! Yeah! Wouh! Pikachu level 12! Même illusion, n'importe quoi. Et voilà, le jeu est lancé. Bah écoute, Baka, c'est très cool. Allez, les... Ah, pff, oh là, bien sûr. Je vais run. Voilà. Et bienvenue à Kikimu. Kikimu. Pour dans les follow. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. J'espère que tu passeras du bon temps sur ma chaîne Twitch. Oh, j'étais la pocket dresseuse et chroniqueuse. Hey, coucou Actu. Comment tu vas? La farm, partenaire. Oui, je joue à ce petit jeu, tranquillou, posé, après beaucoup de boulot. Je me détiens en live, avec les abonnés. Faut que j'arrête de rajouter des accents, il n'y en a pas, et des lettres, il n'y en a pas. Donc niveau 4, je vais quand même le tenter. Ouais, si je dis partenaire, en fait, c'est parce que c'est réellement un partenaire, en fait, au cas où. Hop. Jamais. Hop, voilà, je vous ai mis le lien du site d'Actu. Actu. Voilà. What? C'est quoi ce poilu de guerre? Notice me, please, ok? Ben, bienvenue à vous. Mon perso est créé, super! Maintenant, Xuxu, tu seras pas... que moi, je suis plus loin. Il faudra que tu avances un petit peu. Non, moi, je dis déjà... Je pense que vous pouvez me rattraper très facilement parce que je suis quelqu'un qui prend bien son temps. Je me prends pas la tête, vous voyez. Bon, écoute, c'est normal. T'es adorable, mais c'est normal. Le mec m'avait dit qu'il y avait des... Enfin voilà, que tout le monde ne partage pas, mais pour moi c'est un peu normal. Yay. Yeah. Elle est trop mignonne, elle sa coiffure, j'adore. C'est trop chou. Ah, j'ai pas fait gaffe qu'elle était niveau 9, notre petit là. Et dès qu'il sera niveau 10, les gars, je vais retenter Pierre. D'ailleurs, faut qu'on parle. Bah oui, il faudrait que je... T'as pas mon Discord? Coucou Bakfouté, t'as pas mon Discord? Mew, OMG, Mew. What? Je vais checker le lien. Je dis, bah écoute, franchement, Natsu, n'hésite pas. Ils sont très très bien. C'est un site qui est très très bien. De toute façon, je ne fais des partenariats qu'avec des sites et des choses qui sont très bien. Si je ne suis plus en partenariat avec quelque chose, c'est que bah, ça ne me convenait plus et que voilà. Hop. Bon, allez, défonce-le.
Il y a Mew au début, c'était dans le premier live Sari. Bah oui, oui, dans le premier, oui, on voit Mew au début, hein. Il y a peut-être moyen que je me le fasse, celui-là, allez. Peut-être moyen, hop. Si, si, je vais rejoindre, ok. Hop. Si jamais... Voilà, ceux qui n'ont pas encore Discord, je vous invite à bien lire... l'accueil et le règlement pour savoir ce que vous pouvez pas faire et ce que vous pouvez pas faire sur Discord. Il y a un petit règlement, voilà, qui parle un petit peu. Moi, Mew, je l'aime bien aussi, Tsari. Moi, c'est un de mes chouchous avec... Mew et Lugia, ce sont mes deux légendaires préférés, je pense que je... Ouais, parce qu'il y en a trop... Il y a trop de Pokémon que j'aime bien. Il y en a trop, trop. J'aime bien tous les Evoli, j'adore Togepi, j'adore Milofey, j'aime beaucoup Rondoudou, j'adore Pikachu... Par la caillou, d'accord, ok. Bah maintenant tu peux m'envoyer bêtement un petit message privé hein, si tu veux. Tu m'envoies un petit... Ah oui, ah bah je te reconnais, attends, je te reconnais. Je te reconnais, chouchou. Je te mets dans un grade VIP, je crois que je t'ai reconnu. Ouais. Voilà. Voilà, copain. Je t'ai mis les grades. Eh bien, ça, c'est un long pseudo. Bienvenue à Samuel Miranda Gonzalez. Bienvenue à vous. Enfin, à vous. Ça compte pour plusieurs personnes, je ne sais pas. J'ai envie de penser... Je pense que oui. Maintenant, si vous venez de vous abonner, n'hésitez pas peut-être à parler, à mettre un petit mot dans le chat, peut-être. Ça pourrait être cool, parce que parfois, j'ai l'impression qu'il y a des bots qui s'abonnent. Et ça m'attriste un peu, en fait. Donc, voilà. Yes, nickel, c'est... Non, mais franchement, c'est juste un... Par rapport à dire, c'est juste une habitude, en fait. Mon départ, j'ai eu dur aussi, maintenant, c'est comme si j'avais toujours vécu avec, donc voilà. Je te jure, tu vas voir, c'est juste un petit pli à prendre. Mais pour le site, ça pourrait être cool que t'en fasses un. Pour parler avec d'autres partenaires, des choses comme ça, ça peut être pratique. Pour réunir la communauté. C'est long d'entraîner un Pokémon, les amis. Un petit peu ce qui... Oh, ah, shiny, le mec il a un shiny. Oh. Je clique un petit peu sur ces Pokémon pour voir un petit peu ce que c'est. Charmander, Illumise. Oh. C'est juste une idée que je donne parce que franchement c'est pratique Discord, il y a beaucoup de gens maintenant qui l'utilisent, moi-même je disais quasi plus que ça. Skype, c'est très rare quand je l'allume. Skype généralement ça me sert juste quand j'ai envie de voir la tronche de mes potes. Ça me sert juste à ça. Franchement. Bon. Allez, Rose Bouton! Défonce-le! Si je lis pas sur l'attaque, tout va bien. J'adore Sulfura, peut-être pour ça que je suis Team Rouge. Oh! Allez, Rouge!
Ah, je sais plus quelle équipe je suis, moi, sur truc. Mon Pokémon Go, je suis rouge aussi, je pense. Je sais plus, moi, je crois que je suis rouge. Je sais que c'est pas très très chouette comme attaque que je fais à plante sur un truc, je le sais. Le but c'est vraiment de choper des points de l'expérience pour essayer de gagner des niveaux. Comment on fait pour prendre Pikachu? En gros, Xuxu, il faut que t'aies pas encore de starter en fait. Bienvenue Kazei, femme 6, bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow. En gros, il faut que tu fasses genre comme si t'allais prendre les autres, mais sans les prendre. Puis après, ben, tu vas vers le Pikachu qui est au-dessus. Ouais, Articuno, il est super classe. Hein. J'avoue. Bon, il me saoule, là, le Kakuna, là. Je vais t'envoyer... lui sur la tronche, tu vas voir. Moi, je suis fan de Psy Tigri. Il est trop mignon. Ouais. Je crois que je vois lequel c'est. Voilà. It's super effective. Voilà, c'est fait. Et bienvenue à Brubits, bienvenue à toi, merci pour ton follow, c'est très 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 gentil. Merci beaucoup. Oh, encore un. Oh, mais le truc. Oh là là, pff, le machin là. Bah, j'avais fait des vidéos sur Pokémon Go l'été passé, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, je suis totalement dépassée maintenant, avec tous les trucs et tout, faudrait que je sorte un bon coup un jour pour essayer de reprendre les nouveautés qu'il y a. Mais j'ai pas eu le temps en fait. Donc voilà. La dernière fois que j'ai joué, je sais plus quand c'était. Bon, je crois que je suis vraiment à la bourre. Donc voilà. Hop, fight, allez. Non! Et je sais, je suis déjà empoisonnée. T'as pris Belle Bizarre? Ok, de toute façon tu parles des Pikachu dans la forêt plus loin, t'inquiète pas, si t'en veux. Je vais aller un peu soigner mes Pokémon parce que... cool, il est pas en méga forme. Oh, le petit bug de truc là. Bug d'affichage. Ouais, dans la forêt de Jade, ouais. Ouais, tu pourras trouver un Pikachu là. J'en ai croisé un tout à l'heure. T'es niveau 5, je crois. Oh, courage! J'ai presque la moitié du niveau de... oh, niveau 10 sur Rose Bouton. La zone où je suis, on peut choper un Salamèche? Sérieux? Là, je peux choper un Salamèche. Dans le petit lopin de truc là. Non, tu rigoles, Utsari. Apparemment. Oh. Et moi, si j'en vois, c'est de le choper direct, hein. Ah, moi, il faut pas me le dire deux fois. Quelle différence avec le jeu Pokémon officiel? Celui-ci, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas... il a été codé complètement. Donc, oui, on peut voir des sprites de version officielle. Bon, je veux pas de Salamèche, hein, bichette. Il était codé complètement, comme tu vois bien, les personnages sont assez
différent des jeux officiels. Donc voilà. Hop. Voilà. Voilà. Plus de musique ? Ah non, ça va, il reste encore un peu de musique. Oh, il reste encore quelques musiques, c'est bien. Ah voilà, il est mort ! Pas mort. Donc qu'est-ce que c'est dans cette haute herbe là ou dans celle qui est accessible avec la coupe ? J'en sais rien. Je sais pas. Yay! D'accord, ok, cool, bah, ok. Y'a pas de problème, hein, y'a pas de soucis pour le fait que les Anato qui devaient suivre, hein, y'a pas de problème. C'est pas comme si t'étais un mec random qui passe par là en mode AAAAAAH! Qui fait sa pub, ouais, non, y'a pas de problème. Bienvenue à Killer, merci Killer pour ton follow, c'est très gentil. J'espère que tu passeras un bon moment en ma compagnie. Ce petit live posé, tranquille. Du. Comme Pokémon Corquet. Oh. Mais Pokémon, non, tu peux le voir au-dessus. Non, c'est vrai que c'est un petit peu petit. Donc j'ai Rose Bouton niveau 9, Pikachu niveau 12, Roucoule niveau 11 et Petit Art niveau 12. J'ai essayé de les mettre plus ou moins tous au même niveau pour pas avoir un, me battre qu'avec un et qu'il y en ait un qui soit super haut level. Parce qu'il y a rien de plus relou quant à ça. J'essaie de mettre plus ou moins les mêmes niveaux. Et là, je suis en train de me tuer à essayer de faire évoluer ce petit rose bouton, là. Il a un peu du mal. Moi, je clique dans le chat, là, comme ça, pour voir un petit peu les Pokémon que c'est. En anglais. Ouais, voilà, t'es pas ça, tu vois, Actu, t'es pas ça. T'appelais Actu dans le live, c'est mieux. C'est pas ça du tout, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de problème pour moi. Pam 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 pam. Bon, on va reprendre un Roucoule parce que là c'est juste pas possible. J'ai pas passé tout mon live à me battre contre lui. Hein. Un petit peu relou. Allez, meurs, créature infâme de l'enfer. Qui perd en couille. Coucou Saphirat, ça vous c'est chiant, surtout que j'ai joué avec le même Pokémon du coup, il est niveau 30, les autres sont genre level 6. Mais oui, c'est ça qu'il est, moi je... Voilà. J'ai tendance à faire ça aussi plus jeune. Et je me rends compte que c'est vraiment, vraiment bien bien relou. Donc du coup, bah, j'essaye toujours de garder un certain équilibre. Parce que sinon, bah, c'est pas top. Ça, moi, je prends bien mon temps. Quand je joue à un Pokémon, franchement, je vais... cool quoi. Je passe pas mon teuf à un concours de vitesse, dire ah oh, machin commencer avant moi ou après moi machin, je vais le rattraper. Je prends mon temps. J'aimerais bien que ce rose bouton évolue un petit peu plus vite, Selma. Parce que j'ai un super bonbon, mais j'ai pas envie de l'utiliser sur lui quoi. Ah, Bedrill. Hey. Ah oui non mais tu vas me défoncer ma race toi. Hop. Ça va, Séphie ? Tu vas bien ?
Ouais, t'as pas écouté Kinem. Ouais, t'étais pas là quand j'explique tout à l'heure Kinem. En fait, Kinem, bientôt, je vais changer d'horaire à mon travail, donc... pour le moment, live du mercredi soir sont annulés. Jusqu'à 9h, ils sont annulés. Et je vais live pour le moment de façon random jusqu'au mois de septembre où je vais prendre mon horaire vraiment... mon nouvel horaire fixe. Voilà. Tout simplement. Hop, water gun. Allez, j'aimerais bien essayer de le capturer, celui-là. Hé, hey, mon pote, endors-toi. Un gros dodo. You failed to... Ah, merde, j'ai pas réussi. Non, 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 attends, calme-toi, Michel. Attends, 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 calme-toi. Laisse-moi te capturer, attends. Ouais, j'irai checker mon Twitter. Ah, mais l'autre, là. Mais qu'est-ce que tu me pèles le jonc, là, mec. Tu sous là, un petit peu, là, non, rien. Ça, je dis rien. Bon, écoute, tu vas aller te faire mettre, hein, parce que là, tu me saoules. Au revoir, parce que tu me saoules, là. Moi, c'est gentil, Actu. Merci pour le petit partage là. Extrêmement gentil. Extrêmement gentil. Bienvenue à Andy Mandy 200. Merci pour ton follow. Oh, on y est presque. On y est presque, les amis. Presque. Allez, mange. Hop. Voilà. J'ai mis la playlist qu'on a actuellement en repeat parce qu'elle arrive à toi à la fin et je l'aime bien les poser. Je trouve d'autres petites chansons un peu plus calmes, un peu plus posées. Il y a aussi Pitrouille que j'aime bien comme Pokémon. Tiens, ah oui, Pitrouille. C'est pas un petit truc là, une sorte de petite citrouille. Il n'y a pas une tronche un peu comme ça. Oh, par contre, ce gars, il m'a donné envie d'aller au petit coin. Pourquoi tu m'as fait ça le PC? Pourquoi tu m'as redémarré pendant que tu faisais du rendu? De ça après. Pas me prendre la tête maintenant avec ça. Meurs, créature infâme de l'enfer. Oui, ok. Oh, rose bouton. Allez. Je fais absorbe déjà direct, alors qu'au niveau 3, il y a moyen là que je le défonce. Non, pas moi que je le défonce. Il veut pas. Il ne veut pas. Ok. Tenez mon t-shirt Natsu. Eh ben, hop, c'est encore un de mes partenaires. C'est encore un de mes partenaires. Il vient de chez... hop. Désolé les gars, je mets... Hop. C'est juste comme ça. Non, c'est pas ça. Si je fais ça, shirt. Et alors c'est comme ça. Ok, ça marche pas. Ça marche pas. Nightbot, pourquoi tu vas fonctionner avec mon lien? Nightbot ne veut pas. Nightbot ne veut pas veut donner le lien pour mon t-shirt. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai carrément fait un...
une commande Nightbot parce que j'ai tellement de questions quand je pose, quand je pars des t-shirts de leur boutique, voilà. Ah! Est-ce que je me suis gouré? Voilà. Ouais. Ouais, non, j'avais mis un qu'un i pour que ça soit plus intuitif. Mais j'aurais dû mettre t-shirt en fait, comme truc, je vais changer pour avoir t-shirt à la place. Ouais, donc voilà, il vient de là. C'est un peu comme QWERTY, mais en version belge. Voilà. Maintenant, ils y proposent moins de t-shirts à la fois que QWERTY. Parce que ça fait un peu plus d'un an, je crois qu'ils existent, un an ou deux. Donc voilà. Moi, j'ai vu le Churcha Godzilla. Bah, ouais, Godzilla, ouais, c'est que je l'ai reçu hier. Je l'ai reçu hier, franchement. Je l'adore aussi. Je l'adore. Je ne dis pas ça juste pour faire plaisir, hein, en fait. En... Voilà. Je l'ai choisi, donc voilà. Bon allez, White Kakuna, j'en ai marre d'affronter des Kakuna, moi. J'aimerais bien les roxer un peu plus que ça. J'en ai marre. Mais supposez que ceux qui sont sur YouTube, si je mets la rediff, faut un peu avancer. Bonjour, Sweetie Loda. Meurs. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Bon. Oh ah, il est pas encore niveau 10. I need your power, les amis. J'ai besoin de vos encouragements, de votre pouvoir. Le pouvoir des abonnés. Ça pour l'avoir niveau 10 quoi, le bestiau là. Le truc, ça va prendre des, ça va me prendre des heures là. Ouais, de voir combien de temps il me reste en tant que sub. Je ne sais pas te dire qui n'aime. Moi généralement il faut que tu y voir dans tes trucs sur Twitch, tu as un, tu as un... Ah, coucou. Ça va? Ah, ça va, ça va, ça va, Natsu, et toi? Ça va, ça va. Je suis venu te dire un petit coucou. Bah tu fais bien. Je suis en train de me battre pour faire évoluer ce Pokémon à la con là qui veut pas évoluer là. Ah bah dis donc. J'ai Snow qui arrête pas de jouer avec mes doigts, c'est pas. Bon, voilà. Bah c'est un chat en même temps hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, elle est encore jeune hein. Mm. Bon là. Elle commence à faire la faux folle. C'est son quart d'heure. Bon, voilà. Moi, c'est cette nuit quand je suis travaillé sur mes trucs de Minecraft que il y avait Oni qui était en mode wouhou! Hey, c'est cool! Hey, Sakura, viens jouer! Ouais, allez, on saute de la table, on fait tomber les trucs de la table! Wouhou! Manquait plus de la techno, je fais le chat en mode wouhou! Oh mon dieu. C'était David. David Kata, voilà. David Kata, David Guetta, David Kata, voilà. D'accord. Je voulais faire la fête, le chat. C'est bon, j'ai trouvé, je devrais repayer le 21 août, d'accord. Ah, non, Snow, ça, ça, non, ah, alors, Snow fait ça, mal. Oui, 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 là, en fait, elle prend mes doigts pour du kebab. C'est moins drôle. Ah oui, oui, effectivement, oui. Ah, tes griffes, tes griffes, tes griffes. Allez, pardon, allez, tu arrêtes. C'est bon. Arrête les frais. David, je te pète des trucs Pokémon. D'accord, ok, non. Non, 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 non. En gros, ce qu'il y a, c'est que derrière moi, j'ai ma salle à manger. Et les chats, en fait, en gros, parfois, ils pètent des câbles, mais genre, ils se font un genre de combat de catch sur la table de salle à manger.
Parce qu'on mange jamais dessus en gros, hein. On mange Inda, on mange un peu chacun de notre côté le soir. Hein. Peut-être quelqu'un qui dira ah mais quand même ça se fait pas, ça vous dans le sang, machin. On fonctionne comme ça. Et très bien d'ailleurs. Voilà, les chats se mettent sur la gueule. Voilà. T'as combien de chats? J'en ai deux. Deux? D'accord. J'en ai encore, et j'en ai un qui est assez jeune qui aura un an ce mois-ci. D'accord. Donc voilà. On l'a eu qu'il était tout petit. Non, moi j'en ai qu'un seul et ça me va très bien. Ah ouais, non, mais. Alors ce qui est marrant, c'est que le plus âgé, c'est vraiment la grosse mémère qui aime bien d'être tranquille, qui se couche, qui parfois se couche sur le truc, l'air conditionné, parce qu'on est on a une machine air conditionnée là, tu vois. Ouais. Alors parfois, elle saute dessus et elle allume un bouton et tu vois, qui vient en mode What the fuck, putain, qu'est-ce qui se passe, j'allume un. Ouais, qu'est-ce qui se passe, ça fait. Parce que le truc, il fait un bruit, mais genre. T'as le chat qui est en mode. Genre, il pète un cap parce qu'il a, il allume un truc qu'il savait, qu'il comprend pas qu'il l'a allumé sans faire exprès, et il est en mode Wouah. C'est super drôle à voir. Tasha qui est en mode qu'est-ce qui se passe. Tu l'as mis un livre dans le cul, ça fait pareil. Moi, mon chat, c'est plutôt le soir, quand j'ai l'intention de me coucher. Il le fait exprès, mais il se met au beau milieu du lit et il s'étale bien, tu vois, pour bien montrer non humain, tu ne te coucheras pas. Bisous. Et là, tu te dis, et je vais dans ton panier, c'est ça que t'essaies de me dire, c'est deux ça secondes, que je te coupe, deux secondes. Oh, ce bouton est niveau 10, enfin. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, cette fille a un chapeau Magikarp. D'accord. C'est beau, donc oui, voilà. Voilà, oui. Bah moi, Oni, ce qu'il fait, c'est un mâle. Je ne sais pas si ça a une incidence dessus. Mais ça m'arrive, donc bah, voilà, comme tout être humain, de prendre une douche. Et bah, quand je suis dans la douche, bah, on me voit passer à poil dans le couloir, en fait, parce qu'il y a un couloir entre ma chambre et ma salle de bain. Mm-hmm. Et bah, parfois, donc, je passe à poil au milieu du couloir. Donc, faut même pas être chez moi quand je prends ma douche, parce que nous sommes... Il y a plein de choses à voir. Pas des choses que vous voulez nécessairement voir. Hein. Le chat, en fait, quand je suis à poil et que je m'éponge, que je m'essuie le corps et que ben, je vais m'habiller, Oni, il est couché, il me regarde en mode « Oh ouais, bébé !» Mais vraiment, il arrive de pervers fini. Genre, mais genre, il me regarde vraiment comme si en mode « Je vais te faire l'amour, ma beauté !» Un peu comme ça, tu vois. Et je dis « Mais... What the fuck ?» T'es un chat. T'es un chat, d'accord. T'es un chat. Non. Et à ce moment-là, tu mets juste la musique. Mmh. Oh. Yeah. C'est un peu ça, ouais. Désolée, Mylène. Désolée si je vous ai un peu pété les oreilles. Natou, chez eux, je dois aller où le roi va à pied. Je rive tout de suite. Le café. L'effet du café. Y a pas de soucis. Ah là là. Ben voilà, et Mélophée est encore tombée, il me semble. Hop, c'est va tomber derrière moi là maintenant, à l'instant. Voilà, elle en peut plus. Hein. Ah, Mélophée pète des câbles. Ah, bah le chat aussi, tiens, commence aussi, tiens, pète des câbles. Oh, j'ai le bas de cascade, pose comme ça, chat. Sari. Je suis Rose Bouton. Bienvenue, Sofiane, merci pour ton follow. Non, je rectais, mémé, je viens de version chat, Elvis Presley version chat. What the fuck, vous faites des drôles d'élucubrations, les gars. Votre papa, juste déjà. Ok, d'accord. Hop. En plus, moi, je dois surveiller l'heure parce que d'ici une heure, ça va être à mon tour. Ah. Ouais. Puis en plus, à la demande des viewers,
te plaît, Natsu, on aimerait bien te voir en PLS sur un jeu d'horreur. Je vous aime. Voilà. Non, mais c'est mes viewers, hein, voilà. D'accord, c'est... donc... Je vais faire le premier combat d'arène. C'est peut-être un petit peu tôt, mais on va quand même essayer. Il y a que deux Pokémon. What? Ah. Oh la vache. D'accord, je vais retourner. Mais je suis trop con. Ah non, j'ai cru que j'avais pas soigné. J'ai eu peur là, maman. Ah mais je n'ai pas compris la vie. Je n'ai pas compris la vie. Pour là-dessus, les gars, vous cliquez simplement sur son pseudo dans le chat hein, pour voir sa chaîne, hein, les gars. Aussi simple que ça. Donc c'est quoi, double slap? Pas maintenant. Non, let's move. Yes. Voilà. Oh, j'ai gagné. GG. Oh mais attends, mais le truc, il a rené au niveau 15, mais d'un coup. Il était niveau 12, il va se prendre 3 niveaux qu'il a de se bouffer. Ouais, j'ai mon premier badge. Ta-da-da-da. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Profitez pour prendre les screens, les gars. Je vais mettre la cam, voilà. Hop, mettre la cam, voilà. Pour prendre les screens, genre. Et puis, n'hésitez pas après à faire du photofiltre pour pouvoir... Genre photofilm. D'accord. D'ailleurs, ce que tu as dit sur Pokémon Révolution Online jeudi. Les personnes avec qui je sais qu'ils ne vont pas me faire genre, qu'ils ne vont pas me parler toutes les 5 minutes, que je sais que je peux jouer tranquille si j'en ai envie, que... Bah jeudi, toi aussi, pose comme Sacha. Voilà, ça va. Merde. Comme ça. Là, à mon avis... Maintenant, je peux faire les pauses à la... Il n'y a pas un nom de meuf random qui est un peu ridicule, qui... Après, elle va voilà. Retrouver sur son Discord une panoplie de photos... Ah, mais il y en a déjà sur Twitter, tu cherches un petit peu, tu retrouves, hein. Des photos gênantes. Oh, photos gênantes. La gênance. Alors, Jody Dreams. Photo gênante. Oh, c'est ça. Yay. Et d'ailleurs, merci Mylène pour ton follow. Merci beaucoup. So much appreciated, my friend. Ah, tu peux le faire avec l'écho si tu veux, comme en live, hein, ton aide. Hein. Oh. Vas-y, voilà. Vas-y, nous t'écoutons. On va se la faire. So much appreciated, my friend. Oh. Oh, Itsukushi. Itsukushi. Ah là là. Ichigo dans Mew Mew Power. Ah ouais. La mouche entre autres. What the fuck, la mouche? Quoi, il y a une mouche que c'est dans ma cape, c'est très possible. Ça me fait penser... Alors attends, mercredi... Ah c'est ça, mercredi... Oh la vache, J'ai intérêt à prendre ce qu'il faut pour la semaine pro. Hein. Oh, la vache. Quoi? Alors, parce que en fait, si tu préfères, bon, déjà tout à l'heure, il y a un live, ça c'est tout, comme d'habitude. Mais en fait, j'avais prévu pour un certain nombre de followers et également de subs, j'avais dit, ouais, je ferai un H12 si jamais vous arrivez à excéder ce nombre. Moi, dans ma tête, je me dis... Ils y arriveront jamais, tu vois. Ouais. Et en une soirée, ils ont fait le double. J'étais là, je dis, putain, la prochaine fois, Natsu, tu apprendras à la fermer. Moi, je dis, pour les... Il y en a qui sortent des gommettes. Qui n'aime, qui m'offre une gommette, ce trash talk. Moi, je dis, pour les... Allez, les 50 000 abonnés sur YouTube, je ferai un live 12 heures. Bon, je vais te rendre PLS après, mais je vais bien essayer de faire ma live 12h. Alors, je prends note. 50 000, hein, t'as bien dit. On est 50 000 abonnés. Là, on va arriver aux 40 000 et c'est très lent.
Donc ça sera pour l'année prochaine. Parti quand alors, c'est parti. Alors, vous avez bien noté les viewers. Je vais rapidement faire un petit tour sur mon YouTube. Il va prendre toutes ses chaînes. Il a 85 chaînes. Alors, oui, YouTube, lance-toi, merci. Non, mais t'abonnes pas juste pour dire de. Ah oh non, bah de toute façon. C'est juste que je préfère avoir. Enfin, j'ai envie de garder. Enfin, j'ai déjà pas un ratio de vues qui est très bon par rapport au nombre d'abonnés. Non, mais tu sais, je vais te dire, depuis qu'on s'est connus à la gameplay, je m'étais déjà abonné à ta chaîne, donc je vais pas me réabonner une deuxième fois. Mais ouais, t'es déjà à 39K. Moi, je dis, il y a moyen. Franchement, avec. Oui, complètement. Je pense aussi qu'il y a moyen. Mais vu la YouTube, ce qu'il nous fait, ça sera pas avant 5 ans. Ça. Ouais, j'ai dit pareil. Hein. J'ai dit, si vous faites un certain nombre de follow et de subs, je vous fais un H12. Ah ben, résultat, maintenant, le Natsu, il aurait dû bien la fermer. Parce que là, la semaine prochaine, je suis bon pour un H12 spécial horreur. Donc, t'as qu'à voir. Spécial horreur en plus. Ah oui, putain, oui. Putain, ça va prendre cher. Attends, un live 12h sur Use the World. Non, pas du 12h sur Use the World. Non. Elle va perdre son cerveau, la pauvre. Déjà, mon cerveau risquera de fondre par mes oreilles, hein, déjà. Et voilà. Maintenant, si je fais ça, les gars, ça ne sera pas tout de suite quand j'aurai eu les. Quand j'aurai eu les 50 000, là. Ça sera sûrement sur ma période de vacances qui suivra juste après. Donc, par exemple, si j'atteins les 50 000, genre. Au mois de novembre, bah, ça serait pour le mois de février, où je sais que j'ai une semaine de vacances, où je sais que je pourrais un peu me remettre après. Mmh. Ouais, puis il faut faire attention, hein, il faut... Et je ferai un petit peu tout, hein, je ferai du Pokémon, je ferai du Minecraft, enfin voilà quoi, ça sera un petit peu de tout. Ouais, parce qu'après, si... Enfin, moi, c'est parce que c'est une thématique que ça va, je gère un petit peu, mais en plus, si une personne déjà de base n'est pas habituée à des longs lives... type des H12 ou des trucs comme ça. Le plus que j'ai fait, c'est 6 heures de live d'affilée. Ouais, 6 heures de live, bah, c'est déjà pas mal, hein, tu sais, mine de rien. C'est déjà pas mal. Enfin, moi, j'ai déjà fait des H12, donc je sais que par contre, ce week-end, j'ai intérêt à bien me reposer, parce que sinon, c'est... le Natsu, on va le retrouver à 4 pattes pour pouvoir faire la suite du live. Hein, mais j'aimerais tenter un jour à 24 heures, j'aimerais bien tenter ça un jour. H24. Ça va piquer très fort, mais j'aimerais bien tenter ça un jour. Honnêtement, je vais te dire, sur tous les streamers que j'ai déjà visionnés, il n'y en a que deux qui ont tenu un véritable H24. Enfin, c'est-à-dire, voilà. Bon, après, avec une petite pause entre deux et tout. Bah, là, mais de toute façon, je crois que pour le record du monde, pour H24... Je sais qu'il y a une streameuse qui l'a fait, Chelsea a fait le A48, elle. Je pense qu'elle avait 48 fait... heures. Chelsea avait fait A48, mais il y avait... pour que ça soit entre guillemets... un vrai... Enfin, entre guillemets... pas dans le livre des records, mais pour que ça soit, entre guillemets, éligible, enfin voilà. Un petit peu. Enfin, je sais pas comment expliquer ce que je veux dire, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui. Je crois qu'il y avait un certain nombre de minutes de pause mis entre enfin voilà quoi entre du joueur sur un jeu rageant. Non, si je dois faire long live déjà ça dirait forcément ce jeu-ci déjà dedans parce qu'il est assez calme, il est assez posé. Je peux pas taper avec vous en même temps, voilà quoi. Il y aurait sûrement de la déco dans les Sims, il y aurait sûrement aussi un peu de construction Minecraft, il y aurait sûrement des mini-jeux, des choses comme ça. Rien de rageant, rien de trop prise de tête, sinon il n'y a rien de pire pour me faire rage quit. Après, faut avant tout que la personne, enfin que le streamer, se sente bien en faisant le jeu. Parce que, ah oui, complètement. Ça, il faut le faire pour les viewers, certes. Mais il faut aussi que le streamer il sente bien. Ouais. Parce que sinon, bon, bah, c'est tout, ça sert à rien. Quoi. Il va se faire chier plutôt qu'autre chose. Et c'est pas le but. Surtout pendant 12 heures. Quoi. Le mec, t'imagines, il va faire du Super Meat Boy pendant 12 heures. Et d'ailleurs, aussi, avec que j'y pense, en été, si je fais ça, faudrait faire gaffe. Parce que sinon, par rapport aux températures, par rapport au fait que je n'aime pas de laisser le PC allumé tout le temps d'affilée quand il fait chaud. Voilà.
Ouais, il faut plus faire ça genre octobre ou des fois. Ouais, ouais, voilà. Dans les périodes qui commencent à se rafraîchir un petit peu, octobre, c'est bon, quoi. Après. Deolink qui a tenu 24 heures. Je connais pas Deolink. Moi non plus, je connais pas, je dois dire. Avant Noël. Pendant les vacances d'hiver, ouais. Moi, j'avais déjà fait ça, un stream spécial Noël. Mm-hmm. Parce que il y avait certains de mes viewers, en fait, qui n'avaient pas vraiment de vacances de Noël, vraiment un beau Noël à eux, quoi. Mm-hmm. Je leur ai dit, bah, genre, je passe le 24 et le 25 avec vous. Oh. Et puis, genre, on a fait un stream, on a fait 12 heures de stream, puis on a fait plein de petits jeux comme ça, donc bon, Use Your Word n'était pas encore sorti, mais j'avais fait du Quiplash avec eux, on avait fait un peu de jeux d'horreur aussi, parce qu'ils aiment bien voir ça. On avait fait plein de petits jeux comme ça, et puis ils étaient super contents et tout. Franchement, c'était super cool. Mmh. Et puis au moins, ça leur permet de passer un Noël agréable, quoi. Ouais, complètement. Puis alors, dans ces périodes-là, ce qui est bien, c'est que du coup, je refais tout l'overlay de mon OBS. Et puis du coup, c'est vraiment aux couleurs de Noël, quoi. Il manque plus que l'odeur et puis on y est, quoi. Et les boules. Ah ben non, ça suffit déjà. N'importe quoi. On s'étalera pas sur les boules, hein, mais... Non, pas cette... Non. Déjà qu'on en a assez avec les Pokéballs. Voilà. Sans jeu de mots. Ah non, mais écoute, c'est un cas, hein. C'est un fait. Hein. C'est un fait, effectivement. On joue à Pokémon, voilà. On n'a rien inventé. Moi, j'y peux rien, moi, c'est vous qui avez laissé mal tourner. Hein. Je vois absolument pas de quoi vous parlez, madame. Moi, je suis aussi innocente que le petit anneau qui va sortir de l'œuf, hein, donc voilà. Tout à fait, key name. Bon, Use Your Word, effectivement. C'est... Ah oui! C'est un grand sujet. Quand j'expliquais à Dark Heaven que les couilles dorées se... Ça, j'aurais pas parlé de ça maintenant! Désolé pour ceux qui regardent ce live, ils sont pas choqués parce que je viens de dire, on a fait un live la semaine passée sur un jeu qui s'appelle Use Your Word. C'est un live très tardif où c'est parti complètement en vrille. Et voilà. Voilà. C'était drôle. J'en ai parlé à Auré d'ailleurs. Il faudrait vraiment qu'il joigne à nous une fois. Oui, mais j'aimerais bien aussi. Je vais essayer de. J'en ai parlé, il était en mode. Genre, j'ai pas le temps. Mais il a réellement pas le temps. Auré, je sais pas que si je m'en dois servir, il le fait sans problème. Ça chou, mais faut juste qu'il trouve le temps. Ouais. Bienvenue à Fumus. Tu as un pseudo compliqué à... Enfin, pas compliqué à dire, mais... C'est un petit peu, en fait. En fait, je me demande si en ce moment, il n'y a pas des vagues de bots. Si. Tu n'es pas le premier à le dire, et... Si. Est-ce que sur mon live, genre, par exemple, hier, 19 follow, quoi. Et puis alors en plus des pseudos... Avec des chiffres, que des chiffres, des choses comme ça. C'est ça, ouais. Ouais. Alors je me dis, oh, bon... Voilà, quoi, je... Truc bien relou. Je dis merci parce que voilà. Coucou The Kit Kat, merci. Mais bon, voilà. Quoi. Moi, ça que je dis, en fait, généralement, quand quelqu'un s'abonne, je dis ça pourrait être cool. N'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat que je sache que vous êtes vrai, que vous n'êtes pas un bot genre random ou quoi. C'est ça. Parce que parfois, quand tu vois plein de trucs, mais quand tu regardes sur la liste des gens qui sont connectés, bah tu ne vois pas le... Enfin, maintenant, moi, là, je vois qu'il y en a qui regardent mon live. Il y a des pseudos que je vois bien, de personnes que je connais, qui, je sais bien, n'écrivent pas. D'ailleurs, bah, n'hésitez pas à écrire, c'est plus sympa, hein, c'est plus papoter. Mais bah, voilà, c'est comme ça, mais... Quand tu vois quelqu'un qui va te... Bah, par exemple, celui-là qui va te s'abonner, je le vois pas dans le chat. Enfin, quand je clique sur voir la liste des gens qui sont connectés, il est pas dedans. Mmh. Oh, à mon avis, c'est ça, c'est...
Alors, soit après, ce sont des personnes qui se déloguent de Twitch, mais c'est très très rare quand même. Oui, mais directement après t'être abonné. C'est voilà, c'est pour ça. Pour moi, c'est chaud. Mais après, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Donc, c'est pas une généralité, et je sais que ça existe. Mmh. Donc, à voir après. Écoute. Après, c'est sûr que c'est beaucoup mieux quand les personnes participent et puis, voilà quoi, tout simplement, tu te dis c'est mieux, tu interagis avec elles, elles interagissent avec toi, c'est cool quoi. Mais voilà. Après... Oh purée, il y a Mylène qui s'endormit. D'accord, ok. Il y a quoi avec toi? De quoi The Kit Kat? Je comprends pas ta question. Je sais pas si c'est pour moi qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans le chat. Ouais, hop. Tiens, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, jeudi, c'était avant-hier. Il y a un de mes amis qui m'a invité en Belgique pour aller manger une frite. Mmh. Du coup, je me suis dit, un de ces quatre, peut-être que si ça se trouve, je pourrais voir jeudi. Ah oui! Ça pourrait être cool. On ira se manger une bonne frette. Oh ouais. Mais juste une. Hein. Le truc. C'est le mec, bonjour, j'aurais voulu une frite. En mode poker face, tu vois. C'est ça. Ta frite. Une seule, hein. Attention, vous n'exagérez pas. Bon d'accord, grande comment la frite? Ah, y'a qui avec moi? Y'a Natsu. Y'a Natsu qui est avec moi, Kit Kat. Bonjour, bonjour. Oui, donc toi. Merci à Muo, Calmerive. Est-ce que toi tu es dans le chat, que je puisse voir si tu es un bot ou pas? Eh ben non. Voilà, encore une fois, quelqu'un. Ah si, voilà, bah, bonjour à toi, merci pour ton follow. N'hésite pas à discuter dans le chat. Hein. Parce que pour moi, il y a une vague de bots, donc du coup, bah, je suis très méfiante de gens qui s'abonnent. Ouais. Mais je salue quand même, mais bon. Voilà. Oh, là-dessus! Quelle lèche-couille, va! Tu merci. Comment ça fait? Merci. Moi, c'est pas les couilles. Tu me lâches les Pokéballs, c'est ça, hein? Merci, oui, Natsu, c'est très gentil. Merci. Moi, beaucoup. Je t'en prie. De mettre la frite, oui. Mais c'est pas moi le maître de la frite. Ah non, oui. Non. Attention au jeu de mots. Hein, personne voilà. Le maître de la frite n'est pas avec nous. Voilà, le maître de la frite. La sainte frite n'est pas avec nous. Enfin, si, elle nous couvre de sa gloire, mais. C'est ça. Elle n'est pas avec nous. La sainte frite, c'est un peu comme Dieu, vous voyez, il est un peu partout. Exactement. Parce que je cherche comme connerie, putain, les mecs. Je vais me refaire un café, là. Ah, tiens, d'ailleurs, j'allais te poser une petite question. Dis-moi. Si t'es toujours là. Oui. Est-ce que toi, tu... Bon, après, je ne sais pas combien tu as eu de subs. Après, bon, c'est plus personnel qu'autre chose. Mais c'était plus pour voir, parce que moi, je n'ai toujours pas, en fait, reçu les versements de subs. T'as pas lu les... En fait, ce qu'il y a, c'est que pour Twitch, en fait... Coucou Indara, il faut, en fait, avoir reçu sur ton compte Twitch 100€. 100$. D'accord. Si tu n'as pas atteint les 100$, il ne t'envoie pas encore... voilà, il faut... Faut que tu aies atteint les 100$ pour qu'il l'envoie. Très bien. Voilà. Bon, bah, moi c'est fait. C'est noté. J'avais un peu fouillé aussi pour voir et ça indiquait. Enfin, ça indiquait sur. Je sais plus quelle page, mais. Moi, je l'ai eu dans mes trucs. Très bien. Lui sur la Sainte Pelle, quel est donc son usurpateur, la Sainte Frite? Que la Sainte Pelle nous protège. Tu ne connais pas la Sainte Frite? La Sainte Frite, Aurélien Sama, calmez-vous. Alors oui, nous connaissons. Quelle hérésie. C'est un hérétique. Hérésie. C'est quoi la sad frite? Oh, Indara qui dit c'est quoi la sad frite. Non mais. Oui mais. Je ne veux plus me marier avec toi, Indara. C'est fini entre nous. Je déconne, hein, je vais pas plaquer mon futur mari pour ça, c'est une vanne, ok? Toi le mec qui promo, qui ramène les sacs, tire-toi! Elle se fait plaquer en live, explication! Non. Ça tourne mal! Scoop!
Raptor Jésus, sinon. La sainte patate, elle s'est transformée en frites. Exactement, Mylène. Non, c'est pas la même chose, cette patate. La sainte patate et la sainte pelle, c'est Antoine Daniel. La sainte frite, oui. C'est Aurélien. C'est voilà. En fait votre équivalent belge, la sainte frite. Voilà. Nous avons un saint français également. Et c'est Antoine Daniel, enfin, anciennement Antoine Daniel, puisque, disons-le, son contenu n'est plus. Son compte, bah, il existe toujours, mais il n'est plus très à jour. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Oh, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, va des métros, Satanas, la sainte pelle te repoussera des enfers d'où tu viens. Oh. Toi, je time out, t'en fais gaffe à ta gueule, hein. Toi, tu vois la meuf qui m'a t'inquiète, tu vois. Le pauvre Aurélien. Pour ça, quoi. Va des métros en plus. C'est. Ouais, pas mal. Le c'est quoi Indara qui sent bon? Indara? T'as ramené quoi? Rien qui sent bon? D'accord, ok, bah je sais pas, ça sent là. Ok, bah c'est sûrement l'appel de la sainte frite qui me. Ah, je vais parler de frites, ça y est, elle a l'odeur de la frite. Ah, mais j'ai... Tu sais que c'est glauque, un petit comme ça. J'ai l'odeur de la frite. Oh! Oh! Oh de se coucher. De se coucher. Ah, The Kit Kat qui n'aime pas trop Aurélien Sama. Oh! Ah, bah. Moi si. Bon, et sache, je dis. Oui. J'ai été faible. J'ai été faible, Yumi en a parlé, tu m'en as parlé, et du coup, j'ai cédé, j'ai acheté Minecraft. Ouais, il a acheté Minecraft, ouais. Voilà, bah, écoute, ça y est. je t'initierai, écoute, hein. Ouais, 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 alors là, par contre, l'initiation reste... T'inquiète. Elle va être longue, je crois. Parce que moi, sur Minecraft, c'est comment dire... c'est toi sur un jeu d'horreur. c'est un peu du jamais vu, en fait, tu vois. L'initiation va être de rigueur. T'inquiète, ça va se faire tout seul. Oh oui. Ça va rentrer tout seul, comme papa dans maman. Oh. Bah là, si tu poses câlin tout de suite. T'as même ne pas porter de casque avec jeudi. Bah, les gars, c'est seulement maintenant que vous pas. Vous devriez savoir ça. Voilà. Coucou Thomas de Bretagne, bonjour à Captain Cook. Bienvenue à toi, merci pour ton follow, Captain Cook. Ah, maintenant Thomas. Et Captain Cook n'est pas dans la liste des abonnés qui regardent le live. Je ne sais pas si tu es un bot ou pas. Donc n'oublie pas de mettre un petit mot pour me dire si c'est Twitch qui déconne ou si c'est juste le fait que tu es un bot. Voilà. Hein? D'ailleurs, maintenant en parlant de Bretagne, ça m'a donné envie d'une bonne galette. J'ai envie de frites. Oh. Imagine un bon burger avec des frites. J'en ai mangé un dimanche en plus. Oui, j'ai vu ça. Je crois que tu l'avais mis sur ton Insta, c'est ça? Oh, j'étais là, j'ai regardé Burger, j'ai dit... Oh, je t'ai vendu du rêve. J'étais là, en plus, j'étais tranquillement dans mon pieu, je me réveille, je regarde, tiens, un petit truc Insta, je regarde, je dis avec un burger, je dis... Oh mon dieu. Bienvenue à Nailio. Es-tu un vrai abonné ou quelqu'un ou un bot ou quoi? Et ben encore une fois, je vois pas la personne apparaître dans la liste des personnes qui regardent le live. Ah là là, les bots. Je sais qu'il aime, je suis fragile. Eh oui. C'est comme ça. Que veux-tu qu'il aime? C'est dur, mais. Comme. C'est dur. Comme ma planète. C'est juste. Comme ma planète. Comme dirait Antoine, comme ma planète. Comme ma planète. Putain, j'ai envie d'un Burger King. Ah bah voilà. Mais non, mais c'est pas des vraies frites. Moi, je parle de vraies frites de friterie, moi, ou de restaurant, mais pas un truc de Burger King.
Les trucs tout fins là. Ah ouais, non, ça c'est dégueulasse. Moi j'aime bien les j'aime bien les grosses fins. Parfait, après on va dire de moi. J'aime bien les grosses frites. Je tiens à dire que cette blague est entièrement sponsorisée par Jody, et rien que par elle. Démerde-toi. Mon père t'en fait un barbecue, ça sent... Putain, mais... Bah écoute, je vais Théo. Tu sors de ce live, tu vois le meuf. Elle subit un raid de bot, cette Oui, la bonne grise frite... Quoi? Oui, les bonnes grises frites bien grandes. Grises, des frites grises. Mais avis, ça, je goûte pas, ça, je mets pas ma bouche dedans. Enfin, ma bouche autour, hein. Ça t'oublie, hein. Je crois qu'elle a voulu marquer les grosses frites, hein. Mais je veux le burger... Pas les frites, bah écoute, on parle de frites, ça rien, écoute. Les trucs tout fins, c'est dégueulasse, j'aime bien les grosses frites. Jeudi 2017, effectivement, Kinane. Voilà. Regardez, petit Méloface et Mélodelph, ils sont trop mignons. C'est beau. Tout en finesse, ce live. Ah oh bah oui. Écoutez, vous avez l'habitude, hein, écoutez. Je me suis fait un milkshake banane fraise tout à l'heure et j'ai envie de faire un bon gros gâteau. Ah non, mais là j'ai pas envie de salé, j'ai pas envie de sucré, moi j'ai envie de salé. Ouais. J'avoue là. Ah, je sais pas, j'ai. Ou un kebab, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un kebab. Oh, les kebabs maintenant je peux plus. Je peux plus de jeudi. La dernière fois, non, même pas ça. La dernière fois, en fait, je devais prendre le train, j'étais hyper speed. Puis je me dis, bah, ça fait rien, je vais prendre juste un kebab au truc du coin, tu sais, je vais pas me faire chier. Et la viande de kebab, elle était dégueulasse. Oh, et... Ouais. Ah ouais. Mais après, je connais pas, peut-être qu'ils ont une méthode bien spécifique. Mais d'habitude, la viande de kebab, elle passe toujours très bien. Et là, quand je l'ai pris, elle était immangeable. Presque au début, je me suis dit, si ça se trouve, ça a varié et tout. À la première bouchée, j'ai tout laissé tomber. Bon, j'ai pas été malade, hein. Mm-hmm. Je me suis dit, bon, les kebabs, on va arrêter là parce que là, c'est tout, quoi. C'est tout pour moi. Donc, bah, du coup, je suis resté sur ma faim, quoi. Mais j'avoue, là, en ce moment, j'ai deux petites friandises, une bonne gaufre au chocolat, une bonne gaufre liégeoise. Oh, mais qu'est-ce que je donne. J'avoue. Une bonne gaufre de Liège. Oh. Ouais, fou tes viandes, tu dis que c'est une spécialité. J'habite Liège, alors si tu veux, je t'invite. Oh. On a qui habite Liège carrément, quoi. Ayons faim tous ensemble. Chaque fois, on parle de bouffe à un moment dans. Ah bah, la bouffe, c'est la vie. ça m'est arrivé une fois. Ah bah. Franchement, je sais pas, je trouve que les kebabs, ils sont pas toujours très charlés. Je sais pas pourquoi. Ça varie. T'habites Liège, donc bah QX, moi j'habite Verviers. Je ne dirais pas plus, je ne dirais rien davantage. Enfin, je vais pas vous balancer mon adresse non plus, hein, mais voilà. Ça m'arrive souvent d'aller à Liège. Le trafic de viande et puis surtout les problèmes sanitaires dans les kebabs, ça fait polémique. Ouais. Ah, t'imagines quand même, Kit Kat, que tu vas dans un fast-food, parce que ça reste un fast-food malgré tout, tu vas là-dedans, t'es même pas sûr de la qualité sanitaire que du restaurant. C'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Et bien, qui veut manger des sushis. Ah non, j'ai pas envie de sushis, moi j'ai envie de frites. J'aime bien les sushis, mais là j'ai envie de frites. J'ai tout le temps envie de frites. La frite, c'est la vie. Ça quoi. Je suis pas à Berge, j'ai plus rien, une fouet. Vers Bressoux, t'habites? Ah, mais je vois tout à fait où c'est. J'ai vécu à Bressoux quand j'étais gosse, quand j'étais toute jeune. Ouais, je connais bien Bressoux. J'habitais Droix. J'ai mangé des sabots jeudi. Oh, voilà. Temps, faut que 18h39, ça va. Si on va, si on va. Ah, petit. Putain, j'ai Snow qui est dans son fauteuil, elle dort sur le dos, les quatre pattes en l'air. D'accord.
Ah non, mais c'est... cette chatte, elle a de ses manières de dormir, c'est incroyable. Ça, des fois, ça mérite des photos, quoi. C'est vrai qu'Inem, on pourrait la trouver vu qu'elle habite au-dessus d'un hôtel. J'habite pas au-dessus d'un hôtel, les amis. J'habite dans un appartement. Mais pas au-dessus d'un hôtel, non. Ouh. Iman, et jeudi, c'est jeudi, moi j'habite dans le quartier Salona. Ouais, mais tu m'avais déjà dit ça, Iman. Tu m'avais déjà dit. Oh, t'es bien courageux d'habiter parce que c'est pas un quartier qui est plus calme en plus. Ouais, je n'attelle pas loin, ouais. Mais les abonnés notent tout en fait. Ouais, ils ont fini par me retrouver. Ah, bah t'as ping ping, bonjour. Ah, bah tu sais qu'une fois ça m'est déjà arrivé. Genre, il y avait quelques viewers qui discutaient avec moi et tout. Puis genre c'était quoi, même pas une semaine plus tard, quelqu'un qui vient chez moi, qui me fait comme ça, Natsu ? Ouais, enfin c'est mon pseudo. Ouais, je suis un TV voleur. D'accord, donc toi genre t'arrives comme ça. Ça j'oserais quand même jamais ça. Si c'est un pote, oui, mais... Après quand il un youtubeur présenté... qui me connaît pas et qui... Ouais non, ça je fais pas ça. C'est, tu vois, c'est spécial, quoi, tu vois, genre, bon, la personne, ça va, je la connaissais, c'est pas le mec, genre, il est venu comme de random, mm-hmm. Mais c'est vrai que c'est spécial quand il y a quelqu'un, ouais, je suis un de tes fans et tout, ouais, mais bon, comment dire... Moi, c'est un ami qui venait à trouver ma porte et je serais, ah, bonjour, bah, je suis désolé, mais... Je te remercie de me suivre, mais... Ça fait pas trop quoi. Ah, c'est ça. Non, puis même en règle générale, je sais pas, t'essayes de voir avec la personne si elle est disponible. Voilà, c'est un minimum quoi. Oui, mais ce qu'il y a, Natsu, c'est que tu peux pas. Ouais, tu peux déjà directement attaquer quand à peine je rentre dedans. Ce qu'il y a, Natsu, c'est que tu peux pas être proche de tous tes abonnés en fait. C'est ça. Moi, je pars du principe que ce que je peux faire pour un, je le fais pour les autres. Maintenant, certes, parfois, dans certains jeux, j'accepte des abonnés en ami, comme ici, parfois, des abonnés que j'accepte en ami, mais c'est des abonnés que je connais un petit peu du Discord, des choses comme ça, à qui j'ai déjà pas mal, pas juste un abonné qui vient de débarquer sur Discord, mais quelqu'un avec qui j'ai déjà un petit peu parlé, que voilà, que j'ai déjà vu aussi un petit peu en convention, voilà, quelqu'un que je peux mettre un pseudo sur une tête, par exemple, voilà. C'est ça. Mais, voilà. On va te kidnapper, je dis. Maintenant, ce qu'il y a aussi, c'est que par exemple, bah, je ne mets pas mon nom de famille sur Internet. Ça, sur Facebook, d'ailleurs, mon nom de famille, je ne l'ai pas affiché dessus. Parce que, ben, voilà, j'ai pas envie. C'est normal. Il y a des gens qui le font. Maman, je suis avec Facebook, avant, sans mettre son nom de famille. Moi, non, juste non, c'est Internet. Je ne mettrai pas mon nom de famille dessus. On n'a pas besoin de le savoir. Voilà. C'est ça. Pendant un moment, ouais. On pouvait le trouver sur mon site Internet. Mais voilà. Non, je pense que si on me fait un don via Tipeee, je pense qu'on le voit. Je pense que ça, oui. on le voit. Mais bon, voilà. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on peut voir que tu es belge. Ah oui, complètement. J'ai un nom 100% belge. Hein. Ah, c'est ma grand-mère qui a un nom 100% belge aussi. Allez, bon. go tous les Tipeee. Lol. Mais en fait, même de base, je suis quelqu'un qui... En fait, il y a très peu... En fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai beaucoup de mal... Enfin, pas beaucoup de mal à m'ouvrir aux autres, mais plus dans le fait d'accueillir quelqu'un chez moi. Il faut vraiment que je me mette la personne pour lui dire, bah écoute, allez, viens, rentre, machin... Voilà. Oui, oui. J'aime pas... En fait, mon chez-moi, c'est mon chez-moi, en fait. J'ai... Bah, c'est déjà parce que je suis quelqu'un de bordélique, déjà. Et que j'ai pas envie qu'on me juge par rapport au fait que oh, c'est pas nickel, 100% chez toi, oh, c'est bordélique. Bah écoute, t'aimes pas, dégage, quoi. Et que j'ai pas forcément envie de me prendre des critiques par rapport au fait que bah, j'aime bien d'être allé chez moi, de vivre comme j'en ai envie. Voilà. Ouais, c'est ça. Non, puis même, après, c'est sur le principe, c'est ton intimité, c'est tout. Voilà.
Voilà, tu les partages avec les personnes que tu connais, avec qui tu as des affinités, mm-hmm. et puis basta, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Hein. La seule personne de YouTube qui est déjà rentrée chez moi, la seule... Aurélien. Asn. Oh Aurélien n'a jamais vu chez moi, Aurélien. Oh, j'ai perdu. Oh non, oh la honte. On est très potes avec Aurélien, mais il n'a encore jamais venu chez moi. Oh bah dis donc. Ah, je suis surpris. on n'est pas... Bienvenue à Elisa Echo. Bienvenue. Oui, Asn, ouais. Faudrait que j'aille voir en Belgique un jour où il y a quoi voir en Belgique niveau tourisme culinaire à part le resto de Zazou. C'est pas très belge le resto de Zazou. Enfin, si, il est belge, hein, mais c'est de la cuisine chinoise. Donc voilà. De toute façon, je ne dirai pas où est le restaurant à la Zhenxing parce qu'il ne veut pas le dire. Donc voilà. Non, mais si jamais on se fait genre une rencontre avec Jody, les viewers, il faut bien se dire. Elle va nous dire un bon resto belge où il y a des bonnes frites à déguster. Ah bah, c'est... le Guisbar à Liège. Ah bah d'accord, bah voilà. Ils ont des burgers, mais des trucs, mais des... J'ai une grande gueule, hein, mais je sais pas les mettre dedans. Voilà. Ça rentre pas. Tu mets... Tais-toi, je dis. Ouais, mais ma lubrifiance, ça ne rentre pas. Va pas trop loin parce qu'après sinon tu vas me tendre une perche. Oh, coquinou va. Ouh le coquin. Iman, ça dépend où tu vas aller en Belgique. Moi j'ai déjà vu la resta d'Azen Ching. Oui je sais, Utsari. Tu es une privilégiée. Oh. J'espère que tu garderas ce secret. Tu es sur Sword Art Arkham dans son live. Je ne sais pas. Je crois qu'il commence à live à 19h. Peut-être. Je suis une VIP. On se demande pourquoi il est sérieux. Tais-toi, jolie. Je te taquine avec Sari. Je crois que quelqu'un s'abonne, je regarde toujours s'il est dans la liste des gens qui regardent. Et non, McFleury n'est pas dans la liste des gens qui regardent ce live, donc je pense que c'est encore un bot. Ah, c'est relou, les bots. Les bots qui me pourrissent mon nombre d'abonnés sur Twitch. Ah, c'est la vie. Il y a Peridaisa aussi. Peridaisa, je sais pas si elle est vraiment réputée pour ses frites. J'en ai mangé là, mais c'était pas mauvaise. C'était pas la meilleure du monde. Ça passait, quoi. Alors, Utsari... mais se met en boule. Mais j'ai rien dit de plus à Utsari, là. C'est toi qui le cubre, hein. Bienvenue à GamerBra01. Alors, et toi, est-ce que tu... Il faudrait que tu commences par Bruxelles, alors. Ouais, j'avoue. GamerBra. Eh ben non, tu n'es pas dans la liste des gens qui regardent le live. Bon, c'est comme ça. Comment je vois des pseudos qui sont dans la liste des gens qui regardent le live. C'est des pseudos que je ne connais pas. Bah écoutez, bienvenue à vous. Je vais finir de te voir encore, mais mon père dit que c'est des conneries. Eh bien, ton père se trompe. C'est justement le moment où tous les geeks peuvent se voir en vrai et peuvent établir un vrai, entre guillemets, pas vrai lien d'amitié, parce que moi j'ai déjà constaté des amitiés sur internet qui sont aussi sweet que d'amitié en vrai, mais IRL, mais non, complètement pas des conneries. Le truc qu'il y a en fait, c'est que pour ton père, c'est pas sa passion, enfin parfois les adultes, c'est pas des passions que eux ont, donc du coup voilà. Automatiquement c'est des jeux vidéo, automatiquement c'est des conneries, enfin voilà, moi ça me saoule les gens comme ça, mais bon, là, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où ils ne partagent pas une même passion, ça devient difficile. Je pense que tu dois ne pas hésiter, en fait, Quix, à faire ressortir le côté culturel que par une convention. Maintenant, pas toutes en ont, mais par exemple, la Mia, elle a un côté culturel quand même qui est assez fort, quand même, avec le petit village et tout, où tu peux apprendre à faire des sushis, où tu peux découvrir des arts martiaux, où t'as des petits spectacles, où t'as des concerts, enfin voilà. Voilà. Une idée que je donne.
Et puis pareil, bon, moi j'aime bien tout ce qui est musique métal, chaque fois je vais au Hellfest, je connais des amis, ils disent ouais, c'est n'importe quoi le Hellfest, et bon, voilà, bah. Voilà, vous aimez pas le métal, vous aimez pas le métal. Ouais, hein, moi je suis pas une grande fan de métal, mais bon, voilà, chacun son trip, et je ne. Voilà quoi. Si putain, mon gosse est fan de métal, qui fait attention, pourquoi pas. C'est le Blue, voilà. Ouais, merci à Thierry. Coucou Xavi! La femme Xavi! Harry est gentil. Bien sûr qu'elle est gentille, Harry! Elle est très gentille, Harry! Oh oui! Avec le micro, avec le. Vas-y, fais avec le. Avec l'écho. Ah, avec l'écho. Avec l'écho, vas-y, t'écoutes en Natsu. Oh, bienvenue! Oh! Qu'est-ce que l'univers? Ouais, c'est là on se perd dans les tréfonds de l'univers, c'est beau. Ok, bisous Nailo. Peut-être que je mettrais peut-être bien fin au live pour aller un petit peu avec Darkwi, peut-être bien. Bien, on peut regarder le live de Darkwi. En plus, ça fait déjà quelques heures que je fais du Pokémon. Ouais, quand même. J'aime bien Jadi, c'est Jody, Jody, voilà. Jo comme joli. Oh, mais t'es vraiment un lèche-boue là, toi. Je vois pas de quoi vous parlez, madame. Oh, l'autre là. Parce que vous parlez, je taquine. Je te taquine. Mais je sais. Je taquine le goujon. Bon. Non. Mais Xavi, donc il est très possible que j'avance dans le jeu, dans ce petit jeu en or live, donc pas taper, hein, parce que j'aime bien des jeux parfois en or live à ce jeu. Bah, ne tapez pas. Si je capture un Mélofé, peut-être que je mettrai un petit mot sur Twitter en mode ah j'ai Mélofé, he's alive. Donc bah, peut-être je vais aller sur le live de Darkwi, voir un peu ce qu'il fait, faire un peu joujou avec lui. Donc bah voilà. Donc bah merci à tous d'avoir regardé ce petit stream. Il y aura sûrement une rediff que je vais poster. Quand je vais la poster, la rediff, tiens. Ah bah demain. Vous l'aurez demain. Je la mettrai pour demain. Donc ah désolé Xavi. Bah Xavi, j'irai sûrement regarder Auré jouer à Subnautica. Donc tu m'entendras sûrement sur son live tout à l'heure si t'y vas. Donc voilà. Voilà voilà. Donc ben voilà, des bisous à tous, prenez bien soin de vous. Et Natsu, tu vas commencer à live-er, toi. Ouais, c'est ça. Donc Natsu ici présent, mets un petit mot dans le chat, va live-er. Donc ben n'hésitez pas à aller faire un tour sur Natsu. Il y a deux lives que je recommande, voilà, Natsu ou Dark Even, voilà. Vous faites comme vous voulez, vous allez où vous voulez. Donc ben voilà. Donc des bisous, prenez soin de vous et surtout restez vous-même. Ciao ciao.